Vamos. Bon, go GT un petit peu là. Go GT 270, ça va Franck Montagny. Franck Montagny, il va nous dire que ça roule à 350. On est fatigué avec ce DD là. On est fatigué. T'as vu 350 à Los Angeles? Les VMAX? VMAX de 350 à En vrai, c'est pas étonnant. Franchement, vu la gueule du circuit, c'est pas étonnant. Bon, il bouge beaucoup le volant là. Pourquoi il bouge autant? Ah, peut-être parce que. Non, même pas. Normalement, il est bien là. Faudra demander à la Tifi de pas passer les 50 km/h pour éviter qu'il touche. Et encore. En vrai, on rigole. Mais imaginez Los Angeles. C'était pas plutôt Las Vegas d'ailleurs. Oui, j'ai dit Los Angeles, pardon. C'est Las Vegas. C'est Las Vegas, je pense qu'il voulait dire. Normalement, ça doit être bon là. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On va aller sur la play tout de suite. On va aller voir ce que ça donne tout de suite. Merci Dichat pour ton 4e mois. Merci beaucoup, frérot. Il a du marsouinage le volant. Mais vous le voyez ou pas? Ah, bah oui, vous le voyez, attendez. Je sais pas si vous voyez bien en fait, genre si. Je sais pas si vous voyez que ça rebondit. Ouais, non, je sais pas. Bref, c'est bizarre. Bref, go sur la play. En espérant que. Aïe! Cette fois, ça marche, tranquille. Hop. Est-ce que ça veut bien marcher ou pas? Eh, vas-y, ça me casse la tête cette console. Vraiment, tout le temps, elle bug. Tout le temps, je galère à la lancer, c'est bon là, il y en a marre. Avec le drapeau rouge, on peut aller se recoucher. Oh, imaginez un drapeau rouge, imaginez, deuxième tour les gars. Deuxième tour, on est dimanche matin, 7h02, drapeau rouge, faut refaire le circuit, faut refaire le Tech Pro. Allez là, come on, je sais jamais c'est quel switch. Si je me mets sur le stream PS5, est-ce que vous voyez la play vous? Pas du tout, vous voyez pas du tout le stream PS5, mais pourquoi? Je vais péter mon crâne. Je vais pétasse mon crânasse. Pourquoi à chaque fois ça bug? T'as le DAS. Alors le DAS, c'était pas ça, les gars. Le DAS, fallait tirer, les potes. C'était pas la même chose. Hein. Grosse flemme. Il a un problème du micro. Non, non, c'est pas un problème du micro. C'est un problème de... Attendez, je vais me mettre en mode studio. Le mode studio, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Transition. Hop, PS5. Voilà. Là, vous la voyez, la play? On est d'accord, vous la voyez la Play? Eh, elle a la Play 5, tu la vois la Play 5? Elle a la Play 5. Tu la vois la Play 5? Par contre, vous n'avez pas de son normalement. Et là, vous avez du son. Là, normalement, vous avez du son sur la Play 5. Vamos. J'ai pas encore l'habitude du setup. Ok. On va allumer le volant. Toc. Alors, GT7. Ça fait longtemps que je peux aller sur GT7 en plus. C'est parfait. Ok, nice. Nice, j'ai pas encore l'habitude Lulu. J'ai pas encore l'habitude mais t'inquiète. Parce qu'on stream pas souvent sur Play. On stream pas très souvent sur PS5. Sacrée console la PS5. Qui a la Play 5 dans le chat là? Qui a la PS5? Je vois un petit peu là. Qui peut flex ou pas là? Pam 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 pam. Regardez-le là les flexeurs là. Moi. Team PS4. Qui est Team Xbox là dans le chat? Qu'on se moque de vous. On va dire que le nouveau setup, il est compliqué, puis t'es pas très intelligent non plus, quoi. Bah, les deux ensemble, ça fait... C'est compliqué, en effet. En effet. Mais en fait, parce que Lulu, je comprends pas. Normalement, genre, en gros, le Switch, je dois être sur la sortie 3 pour aller sur la Play. Sauf que, il faut que je sois sur la sortie 2. Et en fait, la 2, bah, c'est le PC de jeu si la Play est éteinte. Sauf que si la Play est allumée, c'est la Play qui prend le dessus, en gros. Genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas net. C'est pas net dans ma tête. Team Xbox, PS Vita. Ouais, allez, hop, ça dégage. Xbox super à la Play. Hors de question. Je refuse. Je vous interdis de dire qu'aujourd'hui, la Xbox est meilleure que la Play. C'est pas vrai. Ça va, Jordan? Merci, mon ref, pour le tier 2. Oh là là. Merci, frérot. Ça va ou quoi? Mission. Je dois faire quoi dans les missions? Je me souviens même pas, on en était où. En vrai, ça faisait tellement longtemps. Ah, ils en ont rajouté une! Ils ont rajouté les missions. En vrai, on pourra peut-être les faire. Une heure! Course d'endurance de une heure! Plutôt crever. C'est mort. C'est dead. Je fais pas une course de une heure. C'est mort. Hors de question. Ça va tranquille. Yo et l'autre, ceux qui arrivent. Ça va tranquille. Et vous, les potes? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, là? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Racontez-moi un petit peu votre journée, là. Le dernier café, il dure une heure. Quoi? Touring Car International 600. Terminé, il est dans les trois premiers en cours. Ok, vamos. Je
un championnat de touring car. Absolument rien. Ok, malade, boulot. Malade. Aïe, aïe, force, frérot. Force, 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 force. Covid, aïe, 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 force. Oh là là, là, là le chat de malade. Oh, le chat, pas très en forme. 600. Ouais, vas-y, on va garder la... On va garder l'Alpine en vrai. Oh, oh c'était ça, putain, non. Oh, me dis pas que c'est le... Oh, me dis pas que c'est le truc sous la pluie, s'il te plaît. Me dis pas que c'est la course sous la pluie, je t'en supplie. Oh non. C'est pas un peu fort? En vrai, c'est pas un... Non, en vrai, je pense que ça, c'est pas trop fort. Au pire, je peux baisser sur le jeu s'il faut, mais le son a l'air un peu fort. Hein. Ouais, si, paramètres, attendez. Comment on fait paramètres audio? Voiture, assistance. Wesh, 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 c'est où les paramètres audio sur le jeu là? Options. Volume sonore. On va tout baisser. Il n'y a pas à être si fort dans le jeu. Hein. Est-ce que c'est mieux? C'est pas... Attendez, musique en course. Mais c'est musique, c'est pas ça que tu j'entends. Bruit du moteur. Ouais, moins 1.5. Moins 1.5. Ça a pas du tout baissé là. Ma mère, la pute, ça a baissé le son là, vraiment, c'est pas possible. Ça a pas baissé du tout là. Ouais, je pense que ça a baissé un peu. Pas du tout. Ça a... Je sais pas si ça a baissé en vrai. Merci McDonoris, merci pour le 8ème mois, frérot. Ça a baissé ou pas? Bref, vas-y, on va voir. On va voir, on va voir, on va tester. On va tester, voir ce que ça donne. Oh putain, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du GT7. Bon, vas-y, l'objectif aujourd'hui, les gars, c'est de finir GT7, là. Finir GT7, comme ça, on est tranquille après. J'ai même pas mis les gants. J'ai même pas mis les gants. J'allais jouer sans les gants. Terrible. Terrible, terrible. Faut un bac plus 5 pour paramétrer ce jeu. En vrai, tu sais que GT7, c'est un jeu un peu compliqué, hein. C'est un peu... Genre, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de choses que tu peux régler, donc... C'est un peu complicado là. Stream Element, il est en vacances, gros lolo. Les gants, ça sert à quoi? Ça sert à pas abîmer le volant. Ça sert à ne pas abîmer le volant. C'est impossible qu'on finisse aujourd'hui, vous pensez? Pourquoi vous pensez que c'est impossible? Trop de missions? Oh alors là, attendez, hein, je repasse du CSL au truc de GT Sport. De GT7, pardon. C'est pas du tout la même ambiance, hein. Pas du tout le même pédalier et tout. C'est trop fort, toujours. Est-ce que le son est toujours trop fort? Hop là, il va me servir vite fait. Oui, baisse un peu. Alors, je sais pas si je peux d'ici. Non, d'ici je peux pas lui. Il faudra attendre la fin de la course. Il faudra attendre la fin de la course pour que je baisse le son, les potes. Parce que... Ou alors je peux baisser aussi le son, mais ça va baisser le son de ma voix, quoi. Ok, putain, je me souviens de cette épreuve. Quel enfer. Oh, cette épreuve, je m'en souviens. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai. Oh non. Oh, 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 oh. Mamos. Ok, go remonter. Go remonter un petit peu là. Le dernier café, il fait une heure. Oh là là, c'est quoi le dernier café? Vas-y, spoil-moi le dernier café, c'est quoi la mission ou quoi, genre? Genre, c'est une course de une heure ou ça va me prendre une heure à faire? Parce que c'est pas la même chose, ça. Triple Karim Benzema! Karim Benzema! Oh, c'est qu'hier on a hurlé, hein. Hier ça a hurlé, hein, sur le triplé de Karim. Hein. Dans le calbar hier soir, hein, devant le match. Hein. Ce soir, match de Lyon, attention. Hein. Si Lyon perd ce soir, vous pouvez me vanner sur les réseaux parce que je vais me suicider. Hein. Je vais me suicider, hein. Karim président. Hein. Vraiment, Karim Benzema est une source de bonheur pour tout Lyonnais. C'est un tournoi de 5 courses, mais ça prend une heure. Oh, Baptiste avec sa putain d'AMG. Oh, il va manquer casser les couilles, non?
Oh, il a glissé, let's go. J'ai dit quoi? Il va le faire in-game. Mais oui, non, mais bien sûr, mais non, mais... Oh, mais Lulu, c'est une façon de parler, je vais pas... Voyons, Twitch. Twitch, vous inquiétez pas pour moi, je suis très heureux. Même si vous mettez des objectifs pour faire des subs, donc ça, c'est un peu honteux, mais bref, ça, c'est un autre débat. Lui, on va perdre. Bah, j'espère pas, hein. Mais bon, je t'avoue que ça me blasait un petit peu, mais bon. On verra, hein. Wesh! He just turned on me! Oh, POV Verstappen, l'autre! Bouge! Oh, le blocus, frère, c'est bon, on est à la fac ou quoi, là? Wesh! Wesh! Qu'est-ce qu'elle est bien, l'Alpine, bordel! Si je faisais pas 2 mètres, je pense que j'achèterais une Alpine. Je rentre pas, moi, dans une Alpine, à mon avis. C'est trop... C'est 3 courses de... Non, 3 courses de 5 tours, 3 tours du Mans et 2 tours du Nerf. Quoi? Alors, attends, 3 tours du Mans... 3 tours du Mans, ça dépend de la voiture, mais t'en as à peu près pour, genre, 15 minutes. 2 tours du Nerf, là aussi, ça dépend de la voiture. Mais ça peut être très très long. Si tu me dis qu'on est en GT, c'est mort. Machin, c'est super super long. Il faut le permis. Alors non, détrompez-vous. Au pire, on va se servir de lui comme coussin. C'est pas grave. C'est pas parce que j'ai pas le permis que je peux pas acheter une voiture. Ah, quoi que si, c'est possible en fait. Ah bah si, je crois, on peut pas acheter de voiture sans le permis en fait. Parce que tu l'as fait immatriculer à quel nom du coup si t'as pas le permis? Je vais bientôt l'avoir là, le code, les gars. Trust me, le code. Je l'aurai avant la sortie d'F1 2022. Mark my word, vous pouvez clipper, hein. Je suis une grosse chienne, je l'ai pas avant la sortie d'F1 2022, c'est bon? T'as pas le code encore? Bah, en même temps, j'ai jamais révisé pour le passer, hein. J'ai jamais dit que j'allais le passer, le code, hein. Je m'étais entraîné un petit peu l'année dernière, mais... Je voulais le passer en fin d'année, mais j'ai give up. Ça sert à rien, on connaît le résultat. Oui, oui. Le code, c'est dans la poche. Après, si tu conduis une F1 comme sur... Si tu conduis IRL comme sur F1, alors ça veut dire quoi, ça? Les trois petits points, ça veut dire quoi, ça, par contre? Qu'est-ce que t'insinues? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Mais vous vous rendez compte? N'empêche, sérieux. Non, mais parlons sérieusement. Qui a le permis dans le chat? Qui a le permis, là, dans le chat? Parlons peu, parlons bien. Moi, là, qui ai passé toute ma vie à jouer avec le volant sur des jeux de course, genre GT, F1 et tout. Moi, j'ai l'habitude d'avoir 2 pédales. Je parle bien du pédalier. J'ai 2 pédales, accélérateur, frein, et moi, j'utilise jamais d'embrayage. Mettez-vous à ma place, quand je vais devoir commencer à faire des freinages avec un embrayage et tout. Je vais être paumé. Moi, la première chose que je vais faire, c'est sauter sur les freins sans toucher l'embrayage. L'accompagnateur, là, le maître de la voiture, là, il va passer à travers le pare-brise, le pauvre. Et... Ciao. Gros conseil, fais tes ordres de conduite en même temps que tu bosses le code. Ça t'aidera à être en situation. Pas possible, mon frérot. Entraîne-toi sur Eurotruck. Mais vous savez que... Alors, vous allez peut-être vous moquer, mais en vrai, je me posais une question. En vrai, de vrai, je me posais une question. Allez sur Assetto Corsa... pour apprendre à gérer un embrayage, est-ce que ce serait pas une bonne idée en vrai? Genre, je prends une voiture normale, tu vois, une voiture genre... je sais pas moi, une Clio ou quoi sur Assetto Corsa, et je vais m'habituer à faire des freinages corrects avec l'embrayage et tout, tu vois. En vrai. Parce que, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut apprendre à conduire, hein, nullement, mais... Je dis juste, déjà, ça te donne l'idée, genre, non? Je pense, no joke, je pense que ça peut déjà, genre, me montrer comment faire. Après, bon, c'est sûr que c'est pas la même chose dans la vraie vie, mais... Attendez, mais c'était pas si facile la dernière fois que je l'avais fait, le truc. Il faut un levier de vitesse. J'en ai un. Il y a des simus de conduite pour ça. Oh, mais gros, mais attends, mais je vais trouver une OP. On va demander un truc de simulateur d'auto-école, ça doit exister, ça. Il y en avait un au salon de l'auto à Lyon, avant le Covid, en 2019.
il y avait un truc, c'était des simulateurs, genre les trucs sur des vérins et tout, et ça t'entraînait à passer le permis. C'était incroyable. Rigole, mais c'est ce que j'ai fait. Bah voilà, tu vois. Oh, vas-y, Jordan, quand tu veux. Jordan, descends à Limoges, on fait une vidéo. Je teste, je passe le permis dans la voiture d'un de mes modérateurs. Explication, ça tourne mal. Casse-toi, Gallo, putain. Je vais pas gagner, on m'a vu. Peut-être passer l'italien, mais pas la... Sinon, tu passes un permis en automatique. Qui a une voiture automatique dans le chat, là? Moi, en vrai, j'aimerais bien, mais il faut quand même... Je pense qu'il vaut mieux avoir le permis manuel. Putain, elle va vite la NSX, bordel. En vrai, clairement, l'automatique, moi, je trouve ça trop stylé. Hein. Ça te facilite tellement... Bon, après, d'un point de vue pilotage, c'est pas la même chose, mais... Ça te facilite tellement la tâche. T'es tellement moins fatigué quand je conduis. Mais elle me casse les couilles, là, on a, putain, elle va trop vite. Il me manque un tour. Il me manque un tour, bon, c'est pas grave. Moi, je vais défendre comme une salope, hein. Boîte auto dans les bouchons. Mais même en ville, enfin, moi perso qui suis un gars de la ville, je sais que. Oh, oh, oh. Je sais qu'en ville, en auto, t'es tellement mieux, genre, t'es plus chill. Ok, bon, vamos, P2, c'est pas mal. P2, c'est pas mal parce que je me souviens que la dernière fois, on avait galère de ouf cette mission. On avait vraiment galère, j'avais pas fait P2 en vrai. Baisse un chouïa le son. Oui, baisse la cam de 2 cm. Tu parles de... sur OBS, tu veux dire, ou juste la cam? Enfin, genre comme ça? Je pense que tu voulais dire comme ça pour qu'on voit le meilleur tournant. Ok. Parfait. Ok, ok. Attendez, je vais baisser les sons. Je vais baisser les sons. J'aime bien au début le manuel et les bouchons m'ont vite convaincu pour une auto. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Si tu fais beaucoup de routes et que tu as beaucoup de bouchons, pars chez toi, pars sur une auto. Ouais, ouais, on verra. On verra, on verra. Mais en fait, moi, je suis un feignant, moi. Moi, je suis une princesse, les gars. Moi, je veux une voiture, genre, pas dure à conduire, genre confortable, boîte auto, machin, régulateur, limitateur, ambulateur, tout ce que tu veux, tu vois. C'est pas un truc genre chiant où faut que ça me fatigue. Moi, si je prends la voiture, c'est pour me déplacer, c'est pas pour aller faire du circuit. Frère, attends, la musique déjà, on est où là? On est où là? On va enlever ça. Ça a rien baissé du tout, mais je suis une salope, ça a pas baissé le son. Enlève la musique en course. Attends, comment on fait? Musique en rediffusion, musique en course. Bon, elle est à 1, on l'entendra pas, hein, regarde, tranquille. Là, on l'entend plus du tout. Vas-y, on va voir. Mais je crois que ça a rien baissé du tout. Sous ma gueule, le jeu. On est d'accord que ça a rien baissé du tout. Je crois que ça a rien changé. Mais yo, Zenica, ça va et toi? Limiteur de vitesse et l'ambulateur n'existe pas sur les voitures. Oui, mais ça va, c'était une blague. Je me doute qu'un ambulateur, ça n'existe pas. Oh là là. Oh là là, aigri, aigri. Tu passes en boîte auto, tu passes ton examen et si t'as ton permis en auto, tu peux passer une formation de 7 ans en manuel, pas d'examen. Ok. Ok, je savais pas. Je pensais qu'il fallait quand même passer un permis ou quoi. C'est pas possible, tu rates un truc. Vas-y, c'est pas grave. Tant pis, on doit faire la course. C'est pas grave. On va trouver. On va trouver des solutions. Ta-na-na-na-na, partiel bientôt fini. On espère le padré sortira bientôt. Aïe, 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 force, Perron. J'espère aussi pour toi, du coup. Force, force, force. Et donc, c'est le mec qui traverse les jeux de course, mais qui n'a pas le permis. Exactement. Exactement. Ici, on a des milliers d'heures de jeu sur les jeux de voiture, mais on n'a pas le permis. Hein. Après, c'est pas parce que tu joues à Call of Duty que t'es obligé d'avoir fait l'armée ou le service militaire, hein, en soi. Pas parce que tu joues à FIFA que t'es obligé d'avoir fait un centre de formation dans ta ville. Bon, je fais le forceur. J'ai prévenu que je faisais le forceur.
Ah, les trash des IA sur ce jeu, mon dieu. Mon dieu, les IA sur GT7 quand même, hein. Mais attendez, mais je suis grave chaud aujourd'hui là. Je fais aucune erreur. Attendez, mais je fais aucune erreur. L'autre jour, j'avais galère cette épreuve. Bah moi ça, tant mieux hein. Tant mieux, tant mieux hein. Qui a le permis moto dans le chat? Là on est à notre prime en ce moment là. Là les gars, en ce moment on est à notre prime. On gagne sur F1. On est fort sur GT7. Là c'est prime hydro les gars. Mais bougez que t'as des B11 là. Moi. C'est dur ou pas à passer un permis moto en vrai? Est-ce que c'est galère? Moi j'ai... Le seul permis que j'ai, c'est le permis de fermer ma gueule. Non, j'ai le permis piéton si jamais. Ça peut être utile en vrai. À quoi ça sert le permis piéton? Personne ne s'en sert en vrai. C'est plus simple que ça en a l'air. Ah ouais? Ah ouais, moi j'aimerais trop avoir une moto. Sauf que je sais que si un jour je dis à mes darons que j'ai un permis moto ou une moto, il me tranche la gorge, mon daron. Il me décapite. Il me fait passer sous la voiture, c'est bon? Il me tue. Je hais les motos. Mais toi, tu hais tout ce qui est deux roues, toi. Je pense que t'as un problème avec les roues. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais... Vélo, trottinette, moto... Toi, t'es bien un bon automobiliste des années 90, toi. Hein. Toi, ça se voit, tu grognes au feu rouge quand t'as un cycliste devant toi. Oh, avec son vélo, il veut pas se casser, ce petit fils de pute, là. Oh, là. Oh, c'est furissant, ça, le matin, ça. Bon, par contre, c'est pas une épreuve de drift, là. On peut se calmer. Mais on peut se calmer, please. Moi, je pense, furissant, tu dois me détester au plus profond de mon âme. Mais fils de pute! En vrai, quand j'étais lycéen, j'y allais en vélo à l'école. Quand j'ai été en études sup, j'y allais en trottinette électrique. Dans les deux cas, je respectais pas le code de la route. J'étais vraiment le cauchemar des voitures. Hein. J'étais le cauchemar des voitures. Après, j'étais pas un danger. Il y a une différence, tu vois. Je te déteste. Ah, t'es sûr, hein. Mais j'étais pas un danger. C'est-à-dire que j'étais pas le genre de mec à griller les feux rouges, à zigzaguer devant les voitures ou quoi, tu vois. Mais c'est juste que, bah, je prenais mes trages. Genre, il y a des fois, je montais sur le trottoir, il y a des fois, j'allais sur la piste cyclable, il y a des fois, je prenais des raccourcis, des fois, je faisais des petits contresens. Mais je suis un connard avec ma trotte électrique. Mais en vrai, mine de rien, en ville en tout cas, ceux qui roulent en trotte électrique, genre moi perso, je sais que genre je connaissais très très bien l'endroit où j'étais. Et donc j'étais presque serein, tu vois. Je savais que je ne prenais pas de risques et je savais que je connaissais les risques, tu vois. Si j'étais dans une ville que je connaissais pas, genre quand je fais de la trotte par exemple à Paris je fais un petit peu gaffe, tu vois. À Paris, je regarde où je vais, je pense, je prends pas les trucs à contresens parce que je sais pas où les voitures vont arriver et tout. Vous plaignez pas si vous finissez sur mon capot. Mais après, il y a des gens comme toi qui abusent. Je me souviens une fois, j'étais en trotte électrique. Et genre, j'avançais pas, tu vois, une trotte électrique, ça va à 27, 28, je crois. À Lyon, en tout cas, elles allaient à 27 à un moment, les trottes. Et il y avait un mec qui était derrière moi en voiture. Et sauf que il y avait pas de piste cyclable. Du coup, bah, j'étais obligé. En fait, j'étais obligé de rouler sur la route normale, tu vois. Et la route, elle était pas très large. Donc le mec, il pouvait pas me doubler. Il pouvait pas me doubler. C'est pas le mec, il commence à se mettre à ma gauche et à me serrer contre les voitures à droite? Ce petit fils de pute là? Ce petit fils de pute? Tu vois, mais il y a des gens comme toi, je pense, Ferrisson, vous faites zéro effort. Vous êtes juste des aigris. Alors qu'on gêne personne, il y a des fois. Hein. J'avoue, il y a des fils de pute entre autres. J'avoue, il y a toujours des connards, mais ça c'est toujours pareil. Mais il y a des fois, on demande rien du tout. On est là sur notre petite trotte ou notre petit vélo. Et là, t'as un automobiliste qui vient te serrer ou qui vient te faire une queue de poisson. Eh, mange tes morts, c'est bon? Si, Ferrisson, je pense pas que tu sois comme ça, mais si t'es comme eux, mange tes morts. Non, je fais un effort. Bon, bah, ça va, là. Ça va. Mais s'il y a des gens dans le chat qui font exprès de serrer ou de mettre les vélos en danger et tout, c'est pas... On espère que vous allez en enfer. Les pistes cyclables, c'est pas fait pour les chiens. Mais y a pas tout le temps des pistes cyclables, hein.
Frère, j'habitais à Vénissieux, hein. Vénissieux, les pisticlabs, on a découvert ça en 2019, hein. Et à Vénissieux, il n'y a pas de pisticlab, hein. Il est fou, lui. Bon, laisse-moi passer. Oh, chien. On me casse les couilles, il est plus rapide que moi. C'est quoi cette voiture qu'il a, lui, avec son spoiler, là? Allez, dégage, ouf. Yo, hello à ceux qui arrivent. Hello, hello. Il y a débat sur les vélos. Vous voulez faire un débat sur les vélos? Vous vous déplacez comment? Vous bus, voiture, trotte, moto, à pied? Moi, aujourd'hui, je me déplace principalement à pied, en vrai. Parce qu'à Limoges, bah, il n'y a pas de trotte, y a pas de Uber. Le vélo, c'est la vie. En vrai, non, en vrai, Napti. Vélo, c'est chiant. Quand il pleut, t'es trempé. Quand il fait chaud, tu transpires. Vélo, ça dépend vraiment de la météo et du trajet que tu fais, frérot. Moi, j'y allais en cours le matin en vélo. C'était pas la vie, en vrai. Non, j'ai clippé le vibreur, sa mère. Comment je l'ai rattrapé, par contre? Attention, là. On n'en parle pas assez de mon save, là. Vélo, 50 cubes, à pied. Vélib, Lime. Toi, t'es lyonnais, toi. Non. Vélib, Lime. Ah non, il n'y a plus les Lime à Lyon. Ah non, c'est Vélob. Ah non, à Lyon, c'est Vélob. Vélib, c'est Paris, je crois. Rien à voir. À Lyon, c'est Vélob. Je confonds, putain. Oh, honte à moi. Oh, s'il y a des lyonnais dans le chat, je vais me faire insulter. Non, ça mérite. Ah, mérité. Mérité, je fais le compte depuis tout à l'heure. Mérite. Allez, reviens, par contre. Oh, reviens. Non, frère. Frère, c'est bon. 10 secondes. On peut pas recommencer. Réessayer. On va réessayer. Pam pam pam. Vélo, pour info, les pistes sont rarement obligatoires. Ah ouais, non, les pistes, je crois, sont pas obligatoires quand t'es en vélo, mais c'est fait pour, tu vois. Je me suis longtemps déplacé en vélo en respectant les autres. Maintenant que je suis en voiture, je veux bien faire un effort et essayer en fond aussi. Genre, y'a aucun effort pour tenir à droite. Oui, non, je dis pas. Après, j'ai pas dit que les vélos et les trottes étaient parfaits, hein, loin de là. Hein. Le pire, c'est les trottes. Hein. Le pire, c'est les trottes parce qu'on soit une trotte, tu la prends et t'as aucun code ou quoi. Genre, vélo, bon. Vélo, t'es censé, je dis bien censé, rouler sur la route. Donc tu respectes plus ou moins le code de la route, tu vois. Il y a un feu rouge quand t'es en vélo, t'essaies de t'arrêter au feu rouge, t'essaies de rester à droite, enfin voilà. Les trottes, trottes rien à foutre. Hein. Un trotte, les trottes c'est le grand prix. Hein. Moi quand je suis en trotte, je suis Marc Marquez, hein, vraiment. Hein. Merci Raphio pour le sub, ça va quoi? Je suis sur Paris, attends. Je suis à Paris, les pires. Ouais, non mais à Paris, le problème c'est que votre trafic de base est à chier en fait. Je suis d'accord avec toi que les cyclistes à Paris ça doit être l'enfer, mais en fait, même les voitures et les motos c'est le bordel, tu vois. Y'a pas que les cyclistes à Paris où c'est à chier en fait. T'es de Vénissieux, exactement. 19200 RPZ. On est là, hein. Les états, tout ça, tout ça. En même temps, pourquoi habiter à Paris? Ah oui, y'a plein d'avantages d'habiter à Paris, hein. Mais y'a aussi énormément d'inconvénients. Je pense qu'il y a plus d'inconvénients à habiter à... Avance. T'as un V10, avance. Il y a plus d'inconvénients à habiter à Paris, je pense, que d'avantages, aujourd'hui. Les avantages, ça va être soit le taf, soit les écoles, je pense. Et après, la vie active, genre bah, les restos, les bars, les clubs et tout. Mais frère, le prix de l'immobilier, le trafic. Bon, les Parisiens, je suis désolé, mais vous êtes grincheux, hein, on va pas se mentir. Hein, tout le temps en train de râler. Vous êtes chiants. Mais bon, après... C'est bon. Je suis en vélo, je me fais engueuler, là. Ok, en m'arrêtant sans gêner, on est fatigué. Si je vais me sortir à cause de toi, attention. Hein. C'est bon. Et oui, on est fatigué, mais qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise, frérot? Qu'aller vivre aux Pays-Bas, hein. Aux Pays-Bas, les vélos, ils sont rois, là-bas. Hein. C'est la religion, hein. Là-bas, il y a plus de vélos que de voitures, donc... J'ai vécu 7 ans à Paris, j'en pouvais plus, je suis à Nice maintenant. C'est quoi pour vous, en France, votre ville de rêve? Genre là, demain, je vous dis, on vous offre un budget d'1 million. Avec 1 million, en vrai, tu te poses où tu veux. No joke, 1 million, je prends un appart, une petite maison, normalement, où tu veux. Vous voulez aller où? Franchement, moi, je saurais même pas. Franchement, je saurais même pas. Merci Zenja pour les 5 subs, merci beaucoup. Monaco, ah ouais, Monaco. Ok. Oh là 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 là, oh, les assoiffés d'argent, ceux qu'on dise Monaco déjà. La French Riviera, Saint-Trope, Limoges. Ah, Limoges, tu peux venir avec 300 euros. Hein.
Limoges, frérot, viens. Moi, je suis venu, j'avais rien du tout. Hein. J'avais pas d'argent sur mon compte hein, quand je suis venu. Hein. Monaco, Colmar, ok, Poitiers. Poitiers ? La famille ou quoi pour aller à Poitiers, frérot ? La Corse, Saint-Etienne. Non, non, mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Ah, mais oui, t'inquiète, Saint-Etienne de base. 300 euros et un slip. J'en avais deux, Lulu, des slips. J'en avais deux. Bon, cette fois, laissez-moi passer, laissez-moi passer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tut tut, grosse pute. Allez là, bouge. Bougez. Non, mais je vais péter mon crâne. Mais bougez, bougez. Baptiste. Je vais péter mon crâne, je vais péter. Allez hop, au moins, perds pas de temps. Mange tes morts là, l'anglais. Allez hop, hein. Pas de temps à perdre à l'épingle, hein. Ça dégage. Hein. Oh non, frère, Perpignan, ok. 1 million et je viens vivre chez toi. Oula, chez moi. Il y a mon coloc déjà. Hein. Mon coloc déjà, hein. Faut s'occuper de mon coloc là d'abord. Hein. Biarritz, Reims. Je pense en vrai, si j'étais vraiment genre riche, je pense j'irais genre dans le sud. La French Riviera ou un truc comme ça, tu vois. Il faudrait une maison dans le sud où il fait beau et chaud. Ou alors j'irai à Lyon, tu vois. Parce qu'à Lyon, j'ai toute ma famille, mes amis, mes proches et tout. Mais à part ces deux trucs, genre j'irai pas à Paris, je pense. Paris, moi, c'est pas un truc qui me plaît, perso. Paris, j'aime bien y passer. Genre passer un week-end ou venir voir des gens. Mais y vivre, sachant que je suis pas né là-bas. Enfin, pas du poisson, hein. Annecy, c'est top tier. Annecy, c'est cool, en vrai. Annecy, ouais, j'avoue, c'est un peu top tier, j'avoue. C'est pas mal. À Cannes, Saint-Tropez, je pense qu'on est pas mal, ouais, de ouf. Lyon, best ville ever. Ouais, c'est la best ville ever, mais en tout cas, ouais, c'est plutôt cool. Est-ce que je vais les rattraper, vous pensez, 10 secondes dans 2 tours et demi ? Un peu plus de 2 tours et demi. La corde, le chien. Là, le point, tu prends. Ok. 6. Vamos. Vamos. Et si vous pouviez aller habiter dans un autre pays, du coup. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit Monaco. Techniquement, Monaco, c'est pas en France, les gars. Vous avez vu la dernière vidéo de Thibaut Inche, Monaco, c'est pas français. Hein. Si vous pouviez habiter dans un autre pays, vous iriez où du coup ? Canada, Suisse ? Vamos. Québec, ok. Japon, États-Unis. Ah ouais, États-Unis. Il y en a qui veulent faire le American Dream ici ou pas ? Belgique, USA, Allemagne, Suède. Suède, ok. Ah non, oh, j'ai touché le vibreur. J'ai touché le vibreur, fuck. J'avoue que moi, par contre, le pays, je sais pas où j'irais. Peut-être Canada, enfin, je sais pas. Côte d'Ivoire, Norvège, Suisse. Yo, Valère, ça va quoi, Mercast? Canada, Russie. Alors, Russie, peut-être pas. Irlande. Oh, Irlande, j'en connais un qui veut lancer des business. Vous êtes youtubeur, hein, n'hésitez pas. Irlande, Luxembourg, Malte. On connaît, hein. Allez, come on, en vrai, ils sont juste devant là, 2 tours. Ça va le faire. Je note, ça va quoi, Pierre-Jean ? Fais pas style, tu savais pas, Pierre-Jean. Fais pas style, pas à moi. Malte, ça pue sa mère. Askip, c'est pas ouf, ouais. Moi, dans ma tête, c'était bien. Je sais pas, genre, je m'étais dit, c'était une petite île et tout. Dans ma tête, c'était pas dégueu. Oh, fuck. Et apparemment, ouais, c'est vraiment nul, Malte. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés ou pas, mais... Je quitte pas la France. Bah, en vrai, moi non plus, je pense. En vrai, il y a trop de belles villes et trop de beaux coins en France pour partir. Regardez bien, là on va tous les bouffer. Hein. Pas du tout, j'ai glissé. Fuck.
Tu driftes beaucoup, mais j'attaque trop en fait. Depuis tout à l'heure, j'attaque beaucoup trop en fait. C'est ça, il est à l'intel. Je suis trop loin. Vite en fait en réaccel, ils vont super vite devant. Oula 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 oula. Chien vin. Je vais vraiment être bloqué parce qu'ils sont en train de se battre devant là, sérieusement. Faut que je termine devant le deuxième. Le deuxième c'est celui qui a win. La première. Un peu agressif mais ça passe. Mais j'ai pas la VMAX avec l'Alpine en fait. J'ai pas la vitesse de pointe. Je me fais déposer en fait. Oh non, faut pas que Gallo y perde là. Oh come on, come on, faut que ça se batte devant là. Faut que ça se tabasse. Toi avec ta Supra, toi avec ta Supra là. Elle est dégueulasse en bleu ta Supra en plus. Je veux dire sa mère la pute. Péter mon crâne. Oh vas-y, vas-y, j'ai le seum, j'ai le seum. Mon Alpine elle va pas assez vite. Désolé, mais j'ai pas le choix. Hein. Il me fallait un ralentisseur. Oh non, oh non, quelle erreur. Je suis un fils de pute, je suis un fils de pute, je suis un fils de pute. Je suis un fils de pute. Je pensais pas qu'il était si loin. Je pensais pas qu'il était si loin, je suis une grosse merde. Je suis un gros chien. Putain, mais on va finir sixième. Je vais péter mon crâne, je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Et je me fais déposer en ligne droite aussi, c'est pas du jeu. Flat out. On peut tricher ou pas, vous pensez? Alors, pourquoi on me l'a pas dit plus tôt? Alors, pourquoi on me l'a pas dit plus tôt? Attendez, quoi? Mais fallait me le dire plus tôt qu'on peut faire ça! Mais... Oh là 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 là, mais j'ai l'impression d'être Lewis Hamilton cette année là, je suis super loin. Monsieur gros raccourci, bah là, bah écoute, non, je suis désolé hein. Je suis désolé hein. Ticket, un étoile, ok. Attendez, 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 je vais all-in dans le dernier du coup là. Je suis à combien de points? Je suis à combien de points dans cette histoire là? Je suis à 18 plus 8. 26. Et lui il est à 32. Putain, je suis dans la merde. Je peux pas le gagner en fait. Je peux pas gagner en fait, c'est pas possible.
On appelle ça une clim. Enfin si, je peux... Ah ouais, mais si je peux gagner, faut qu'il aille... il finit super loin en fait. Faut win la dernière. Sera plus Dragon Trail, c'est super dur. On peut pas cut à Dragon Trail en plus, je crois. Y'a pas d'endroit où on peut cut ou quoi là. Le drame, le drame, le drame, le drame. Après, il demande juste d'être dans le top 3 en soi, donc c'est pas grave. En soi, faut juste être dans le top 3. Oui, faut être 3ème, vous avez raison. Donc, bah les couilles. Vas-y, let's go. Let's go, let's go, let's go. C'était le classement actuel à droite. Ah, c'était le classement. Ah, attends, c'était le classement actuel. 22, 20, 18. Ah, donc il me faut. Il me faut 4 points alors. Ah, ok, ok, ok. Vamos. Objectif, gagner cette course. Rendre fier tout un pays. Oh, bouge, bouge, bouge! Bouge! On est fatigué des IA sur ce jeu. Hop là, tout va bien. Tout va bien, yo Matex. Bon Matex, il a dit bonjour à tout le monde. Merci au Maker pour ton prime. Bienvenue frérot. Merci beaucoup. N'oubliez pas ceux qui sont subs, les gars. Sur le Discord, vous pouvez lier votre compte Twitch avec votre compte Discord et accéder au channel des subs. Alpine, il a une Lambo, frère. À quelle heure je le bats? À quelle heure? Oh non, mais quoi? Mais c'est un virage à droite, il tourne à gauche. C'est quoi cette histoire? Ok, vamos. Vamos, vamos, vamos. J'ai remarqué, il y a eu du changement avec les émotes. Mais y a-t-il enfin une émote What is stream? Y a le hydrodance en vrai. Non, mais. Non, mais au bout d'un moment, Hollywood, c'est bon, frère. Mais il freine en plus! Il me fait freiner! Merci Loan pour le restab, merci mon ref. Oh. Oh, y'a la voiture de Ferrisson. Une Alfa Romeo. Non mais franchement, t'es mal à la gueule du truc. Ferrisson, je comprends vraiment pas ce que tu lui trouves à cette voiture. Hein. Vraiment. Hein. Encore si t'étais italien, je comprendrais. Après, quand on est fan de Massa et Barrichello, bon, en même temps, elle est incroyable. Non, elle est pas incroyable. Déjà, tu vois, regardez, ça, c'est pas vrai, ça. Pingouin, tu dis, elle est incroyable, cette Alpha. T'as mal écrit le mot Alpha. Comment tu peux dire qu'elle est incroyable? Tu respectes même pas la marque. C'est faux, elle est belle en vrai. Oh non, en vrai, vous la trouvez belle. Oh, oh. On va le tourner dessus, c'est pas grave. Ah mais j'ai pas la vitesse de pointe, c'est impossible. Impossible de remonter. Ok. 16 secondes en 3 tours, c'est mort, c'est pas possible. C'est pas possible. Conduite bien agressive, bien Verstappen, bien sûr. Conduite bien fils de pute ici, comme d'hab.
Est-ce que Max Verstappen et le Ayrton Senna des temps modernes? Aïe aïe aïe, je vais froisser les fans d'Ayrton Senna, je suis désolé. Mais je vous pose la question. Wow, 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 wow. Moss, tout va bien. Non, c'est faux. Non, non, non. Non. L'autre pilote payant là. Verstappen, c'est pas un pilote payant. Alex, si un soir j'organise des soirées de débat en F1, genre. Oh non, j'ai ce qu'on crache. Impossible, tu la rattrapes. Ah, oh, sa merde. Oh non, 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 Mikey, non, non, non. Oh, hey, hey. Merci. Merci pour le risa, mec. 15 mois, wesh. Incroyable, merci. Je savais pas qu'il était encore ça. Mais Alex, si je fais des débats pour sur la Formule 1, tu viens ou pas? Tu viens les faire avec moi ou pas? J'ai besoin d'un mec qui dit de la merde dans mes débats. Il a dit, ça fait un moment que je suis pas venu. Ah, mais il a juste le risa boto, en fait. Eh merde, ça te fait 10 sous. Allez, mange tes morts. Non, mais... Voilà. On va faire des petits streams où on va faire des débats. Est-ce que Juan Manuel Fangio n'était pas juste un simple pilote Uber? En vrai. Quelle est la différence aujourd'hui entre votre Uber à Paris et Juan Manuel Fangio? Aucune, aucune, aucune. Merci What's Life pour le frame. Le Rockmout. Non, non, non. Ok, on a déjà fait un meilleur départ. Faut moins que je finisse dans le top 3 en fait, je pense. Tout va bien, c'est bon. Oh, et Alex, il a le permis. Je suis non, Alex, je crois qu'il a pas le permis, c'est. On a besoin quelqu'un qui te supporte à Hamilton. En vrai, si tu veux avoir un bon débat en Formule 1, il te faut un fan d'Hamilton, un fan de Verstappen et un fan soit de Vettel, soit de Alonso. L'un des deux, parce que les fans de Vettel et les fans d'Alonso, c'est pareil. Même catégorie de fans, tu vois. Si t'as les trois là, c'est bon, t'as un bon débat. Alors si tu peux saupoudrer ça d'un petit fan, genre de Ferrari ou de McLaren, tu vois. Alors là, c'est royal. Hein. Là, t'as la crème de la crème pour le débat là. Donc du coup, tu vois, Alex, tu pourrais être le fan d'Hamilton en vrai. Bah, le fan de Ferrari, en vrai, on va pas se mentir. Fan de Ferrari, il nous casse un peu les couilles, tu lui mets 2-3 coups de bâton et il ferme sa gueule, tu vois. En vrai. En vrai, les fans de Ferrari, ils commencent à te casser les couilles, tu leur fais oui, bon, allez, Brésil 2008, blablabla, Singapour 2017, et ça chouine. Donc, voilà, tu vois. Je suis fan du sport. Oh, le menteur. Oh, le menteur. Oh, le menteur, je m'allonge. Oh, je m'enterre. Oh, Alexandre Caddy, je suis fan du sport. Non, 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 c'est pas vrai, ça. C'est un mensonge, ça. C'est pas vrai, ça. Donc, du coup, Abu Dhabi 2021, un avis sur Abu Dhabi 2021, Alex? Parce que justement, Abu Dhabi 2021, c'était le sport. Allo? Aïe 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 aïe. We went car racing, Alex. Do you understand that? We went car racing. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autre. Hydro, Verstappen ou Hamilton par français. Mais de quoi? Mais parle français de quoi? Mais il m'a donné. Mais frère, mais. Carrefour ou Lidl? Parle français. Je la vois comme ça ta question. Allez, tape le mur, tape le mur. Non, 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 mais pas comme ça, tape le mur, mais pas dans ce sens. Oui. Putain, tellement de temps, je perds tellement de temps. Je perds tellement de temps. Bah non, je peux pas taper le mur, je perds trop de temps, c'est abusé. Pff, merci Punisher pour le prime. Merci mon ref. De quoi De quoi Hamilton ou Verstappen? Qui c'est qui m'avait demandé ça là? Putain, j'ai déjà perdu la question. Ah bien, Charlotte. En quoi en gros? Y'a pas de flashback sur GT7, bah non, c'est pour ça que je suis si nul. C'est pour ça que je pue la merde.
En gros, qui est le meilleur? Je pense que Verstappen est plus talentueux, plus agressif. Hamilton, pour moi, est plus constant, plus intelligent. Mais si on devait faire une note au général, je mettrais Hamilton devant encore pour l'instant. En fait, j'aurais bien aimé, mine de rien, que Mercedes soit dans le rythme cette année pour voir la revanche, entre guillemets, de Lewis Hamilton. De voir à quel point il a appris de ses erreurs et comment il aurait pu se battre contre Verstappen cette année, tu vois. Sauf que, bon, voilà, Mercedes a décidé de supprimer les pontons de sa voiture, donc tant pis. Hein. Hop. Allez, viens là, Hollywood. Ouh! Ok. Oh, 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 oh! Ok, impec. Pour vous, aujourd'hui, c'est qui le meilleur pilote sur la grille? Genre là, actuellement, en 2022. À mon avis, à mon humble avis, Leclerc maintenant peut rentrer dans le débat. Je pense que Leclerc a atteint un point où j'ai envie qu'on tease un truc. Non, non, attends, j'ai pas tout vu, Lulu. Si c'était le truc qu'on a reçu tout à l'heure, j'ai pas tout vu. J'ai pas vu le colis. Quoi que tu voulais tease. Mais je suis un fils de... Mais non, mais c'est lui le fils de pute, c'est pas moi! Putain, je me disais pourquoi je spin. Je vais péter mon crâne. Max, Charles, Max, Leclerc, Leclerc, Lewis et Seb. Lewis et Seb. Verstappen, Russell. What? J'aurais mis ni Russell, ni Seb dans la liste, perso. En vrai, pour moi, aujourd'hui, ça se joue entre Max, Lewis, Charles. Avance. Peut-être qu'un Alonso en vrai aussi pourrait rentrer dans le débat, mais Alonso, ouais, je sais pas. Pas convaincu. Wow, wow, wow. Le problème, c'est que la voiture, les perfs baissent l'appréciation des pilotes, c'est vrai. Hein, je suis venu en live, t'as dit que t'étais un fan d'Hamilton, mais que tu la savais pas. Moi, ouais, en vrai, moi, je suis un fan d'Hamilton refoulé. En fait, j'aime la personne. J'aime l'humain. Le pilote en soi, pas spécialement, mais j'aime trop Hamilton, genre. Je kiffe trop Hamilton en secret, tu vois. Mais le pilote, encore, c'est autre chose. Le pilote est très, 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 très bon. De là à dire qu'il est meilleur que Michael Schumacher, je pense que bon, il s'agirait quand même de prendre ses pilules. Prendre son petit Doliprane et son calmant avant d'aller dormir. Lewis dans une bonne voiture. Bah oui, mais Max dans une bonne voiture, c'est pareil. Charles dans une bonne voiture. Oh, je vais me crash. Je vais me recrash. Je vais me recrash. Je suis un fils de pute, c'est bon. Je suis un fils de pute. Je suis une grosse merde. Je suis un chien. Putain! Par rapport à ça, oui, mais je vais teaser en global. On n'a pas le droit de montrer. Ouais, si tu veux. Bah, vas-y, fais ton tease. Je sais pas ce que tu veux tease, mais vas-y. Ouais, j'ai le droit. Alpine qui fume Mercedes représentatif de cette année. Voilà, pour l'instant, je fume personne avec mon Alpine. Hein. Je vais pas fumer mes morts, là, je fume personne. Hein. Allez, c'est la bonne. Là, c'est la bonne, les gars. Come on. Quand tu arriveras au café de 1h, prévois 2 bonnes heures. Pourquoi? Pourquoi la petite? Faut pas oublier Russell cette année. En vrai, est-ce que vous trouvez que Russell est très bon cette année? Moi, je trouve qu'il est correct. Genre, il est pas mauvais en soi. Genre, je dirais pas qu'il est très bon, juste qu'il est pas mauvais. Je sais pas comment le dire. Bah... À part qu'on va... Bah, en vrai... En soi, moi je peux te le faire le teasing si tu veux Lulu, mais je pense que c'est pas comme ça que tu voulais le faire. En gros... Mais vas-y, on le fera un autre jour au pire le teasing Lulu, c'est bon. Tu
commence 3 fois toutes les courses, moi j'ai pris 50 minutes en one shot. Oh, excuse-nous. Oh oui, excuse-nous, Neptune. Oh, boss. Ouais, ça, il y a l'avantage d'Hamilton de savoir que les Hamilton de savoir ce que c'est une mauvaise auto. Mais en vrai, je trouve pas, hein. En fait, si tu regardes à Bahreïn, Hamilton était devant Russell. Si tu regardes à Jeddah, la course de Lewis Hamilton, elle est monstrueuse. C'est juste que Jeddah, Hamilton a fait un mauvais réglage le samedi matin et ça lui a ruiné son week-end. Mais Hamilton graille Russell depuis le début de la saison. Hein. En vrai. Il y a 17 secondes, deuxième tour, on va éviter de se crash cette fois, d'accord? Parce que c'est toujours au tour 2 qu'on se crash. Ok. Elle est où la GTR? Ok, elle est derrière, c'est bon. On s'est pas crash, on est pas trop mal. Come on, on n'est pas trop. D'accord, papa. Ça, les mecs, ils ont fait. Ils ont vu que les fans de Verstappen. C'est quoi? Quel est le putain de rapport? Ok, tout va bien, on n'a pas perdu de temps. Joyeux anniversaire, frérot! Je suis né le même jour que le goût de Gunther Steiner. Aïe aïe aïe, t'as quel âge? Putain, c'est vrai que c'est l'année de Gunther aussi. Non, 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 mais non, non. Ok, 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 ok. Calme, 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 calme. Calme, 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 calme. 9 secondes, allez, 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 9 secondes. Ça va le faire. 17, joyeux anniversaire, frérot. Hein. T'as prévu un petit truc ou pas pour fêter ça? Je sais pas si je suis le seul, mais moi, genre, je faisais jamais des grosses fêtes et tout pour mon anniv. Non, non, mais... Fatigué! Révision bac blanc. Ah, ah, oui, en effet, c'est pas la nive rêvée. Oh, vas-y! Je crois que je vais muter pendant 5 minutes, je vais faire la course en vrai. Je vais pas parler, je vais pas lire le chat. Comme ça, au moins, je vais y arriver. Je vais me focus. C'est quoi, je vais me focus? Devant l'instant déjà.
crash là. Ok, vamos. Premier tour, c'est bon. Tu me diras, moi aussi j'ai fait l'expérience du circuit sur la... Sur GT7, tu peux gagner moins d'argent. Quelle expérience! Restez calme, restez calme, restez calme. Oh lui avec sa GTR, oh lui et Baptiste depuis le début du championnat, j'en peux plus de vous deux. Tout le temps les deux qui me cassent les couilles. Ok c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, let's go. Tu vas te réveiller demain à 5h. Alors, demain à 5h, je pense pas, non. Oh le coup de partir, mais je vais... Ok, 10 secondes. Allez, ça peut le faire encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais allez, mais comment je... Comment je peux pas... C'est pas si dur quand même, c'est une épreuve simple, c'est des bots. C'est une épreuve simple, c'est des... Bon, vas-y, je all-in. Je all-in. Je all-in, j'y vais en mode Verstappen, hein. C'est bon? Ça passe ou ça casse, hein? Je all-in, on va voir ce que ça donne. Patricia Gas, quoi? Non, j'ai pas la réponse.
Ok. Normalement, je le passe pas aussitôt, lui, je crois. Ok. Peut-être, ben, moi, là, on est bien, là. On est bien, là. Comment ça, débat parallèle dans le chat? C'est quoi le débat parallèle? Auto, non, on n'est pas en auto. Fuck. Ouais, je l'hélico toujours plus bas, non? Let's go. Mon groupe, il a dit c'était là sur le côté. Aïe 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 aïe. Les deux mots à ne pas prononcer. Je pense qu'il y a des trucs comme ça qu'il faut pas dire dans la vie, tu vois. Dire c'était là sur le côté, ça peut créer une troisième guerre mondiale, tu vois. Comme Grosjean. Attends, c'est là c'est sur le côté grâce à son accident, c'est comme Grosjean. Quel est le rapport avec Romain Grosjean? Dans le fond. La première partie du texte est faux. La deuxième, on peut ouvrir un débat. On peut ouvrir un débat quand même, je pense, sur l'accident de Romain Grosjean. Comment était apprécié Romain Grosjean avant son accident et après son accident? Et alors, non, en vrai, oui, il a totalement raison sur sa bande. Non, sur le coup de Romain Grosjean, il est d'accord. Je suis d'accord avec lui. Hein. Tout le monde détestait Romain Grosjean avant. Bon, ma mère, là, je vais spin, mais putain, mais je faisais un début parfait. J'en ai marre. Tout le temps au même endroit. Putain. C'est bon. Oh, ça fait 5 fois que je la recommence, cette course, j'en peux plus. All-in, hein, la foutre, hein. Hop. Allez, bouge avec ta Viper, là. Du coup, on en était où? Oui, Romain Grosjean. Est-ce qu'on en parle? Avant, Romain Grosjean, avant son accident. À quel point il était détesté? Et il a eu son accident? Bah, normal, hein, tu me diras, mais... Et là, d'un seul coup, tout le monde a aimé Romain Grosjean. Personne ne le surcote. Non, c'est pour ça que je dis la partie sur Senna, c'est faux. La partie surcotée ou je sais pas quoi, c'est faux, mais Romain Grosjean, tout le monde se moquait de lui et tout le monde disait qu'il se plaignait tout le temps, que c'était une chouineuse, etc. Alors qu'en vrai, pas du tout. Et bizarrement, après son accident, oh non, j'adore Romain, Romain c'était mon pilote préféré. Tant mieux pour Romain en vrai, tant mieux pour lui, mais... Oh, ce virage.
Ramos. Prost est sous-côté avec ses 4 titres, je pense, oui, pour ça. En fait, ça dépend par qui. Sûrement pas par les Français, mais... Il y a moyen, ouais. Le problème, c'est qu'il a suffi d'un accident pour que tous les gens aiment Romain. C'est une mentalité horrible. Ah, mais je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. C'est pas grave. Allez, come on. Non, laisse-moi tranquille. Finalement d'accord, jamais été contre, mais on va dire que ça a été. On va essayer de dire qu'il était bon en F1. Ouais, j'ai pas le temps de tout lire. Après, Romain, c'était pas tellement. Après l'accident, c'était pas en mode ouais, il était bon, etc. C'était plus en mode ouais, on l'aimait bien. Alors que c'était pas vrai, hein. Alors que c'était pas du tout vrai. Je pense que dans certains pays, Prost était vu comme le méchant face à Senna. Ouais, mais c'est exactement ça. En gros, t'as deux versions de l'histoire, hein. Je rêve trop vite. T'as deux versions de l'histoire. C'est la première, c'est que Senna était le grand héros et que Alain Prost était le méchant dans l'équipe qui voulait nuire au succès de Senna. Et après, t'as la version peut-être un peu plus réelle où bah les deux étaient ultra, ultra forts et vous voulez absolument tout faire pour gagner. Et puis voilà, tu vois. Mais bon. Il y a une version qui fait un petit peu plus vendre que l'autre, quoi. Non, il redorait son blason, mais j'ai entendu personne dire qu'il était archi fort après son crash. Ouais, non, c'est ce que je t'ai dit, hein. Romain, on disait pas qu'il était fort, mais du coup, il était apprécié, quoi. Là où de base, tous les week-ends, ça lui crachait dessus et tout, tu vois. Je sais plus c'était à quel GP où il y avait une interview où Romain, il était à deux doigts de chialer chez As. Je sais plus c'était quel Grand Prix, c'était pas le Grand Prix de France, c'était un autre Grand Prix. Il était à deux doigts de chialer, genre... Sur Reddit ou sur Twitter, les gens ils étaient mandats, hein. Les gens ils étaient là en mode regardez-le, etc. Il a rien à faire en F1 et tout. Hein. Donc bon, peut-être 2018. Non, peut-être pas Espagne, mais peut-être. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Je me souviens juste de l'interview où il a deux autres chalets, mais. Oh putain! Bon, allez, on est bien là. Il reste deux tours, allez, come on. On en finit ça.
Il va me casser les couilles, un VMAX, putain, mais... Allez, bouge de là. Allez, allez, je reviens pas là. Allez, deux secondes en un tour, ça peut se faire. Ça peut se faire. Faut juste finir pyrone ou podium ? Faut faire le podium normalement. Faire podium au général en fait. P3 sur les trois courses. Putain, j'en avais pas gagné une seule, ça veut dire. J'ai pas gagné Suzuka. On va gagner l'Autriche. Oh la Axel. Impossible. Elle va trop vite la NSX. J'aurais dû le dive en vrai. J'aurais dû le dive comme un clébard en vrai. Tant pis, bon c'est pas grave. Le but c'était de faire podium, bah les couilles. Bah les couilles. Il y a un stream ce soir. Non, on stream jusqu'à 21h et après, après je décale. Après je bouge. Bon, enfin. Enfin on peut reparler les gars, c'est bon. Alléluia. Enfin, oh là là, trop nul. Eh, hey, Bestaras, c'est bon. J'ai fini P3, c'est tout ce qu'il fallait, ça dégage. Voilà, terminé P3 au général. Hop, on a débloqué une Audi, une BM. Oh ! Oh les gars, faut choisir un côté. Gauche, choisir un côté. Gauche, droite, milieu. Je pense que la voiture à débloquer serait derrière cette carte. Gauche. Moi, je pense que c'est à gauche. Ouais. Bon, ça reste une BM, hein. Ça reste une BM, en vrai, hein. Yo, Jules. C'est bien. Ouais, non, c'est une BM, c'est bien. C'est bien. Il y avait mieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait un petit peu mieux, quoi. Bon, on termine P2. Ça devrait le faire. That should do it. Eh,
Elle est cool la Z8. Oui, elle est cool la Z8. Non, elle pue la merde. Elle pue la merde la Z8. Enfin, pue la merde. Alors, on en est où? On en est où? Merci Max. Je pense que c'est Max. Merci Amix pour le resub. Salut Hydro, ça va ou quoi? Ok, félicitations, blablabla. Je suis niveau combien là? Catalonia 34. Il y en a combien déjà? 39? Il y en a pour longtemps. Hein. Il y en a pour longtemps à mon avis. Hein. Ok, allez chercher des modèles AMG. Ok. On va aller chercher les modèles AMG, vamos. Il y a combien déjà de café, vous vous souvenez ou pas? Je me souviens plus combien c'était exactement. Je crois que c'est 39 de mémoire. 39, ça veut dire qu'il m'en reste 5. Ouais. Ouais. On va voir ce que ça donne. We'll see. On doit aller au Nurb en 5. Vas-y, on va commencer par Barcelone. Il me faut une voiture allemande. Je vais prendre celle-là, non? 700 au moins. J'ai quoi à peu près à 700? En vrai, je pourrais booster la GT3. Pour la monter à 700. Ou alors je descends la RSR. C'est quoi le mieux à votre avis? Je descends la RSR à 700 ou je monte la GT3 à 700? Parce que les autres, ça va me coûter trop cher en vrai. Soit elle. Je vais aller voir. La RSR, je pense, elle sera mieux, non? La RSR doit être mieux. Comment on fait déjà? Garage. Changer de voiture. Elle est où la RSR? Elle est là, toc. Ok. Ensuite, faut aller dans. Le truc en bas là. Atelier de prep. Alors. Comment je peux lui enlever des trucs? La rendre plus lente. Comment je peux faire en vrai, les gars? Perso, j'ai utilisé la GT3. Ah ouais? La GT3, elle est mieux? Je sais pas. En vrai, je me dis peut-être que monter la GT3, c'est peut-être mieux en vrai. Parce que là. Là, j'avoue, je sais pas comment je pourrais faire pour la nerf un peu là. Je pourrais mettre du ballast. Non, ballast, ça fait rien en vrai. Ballast plus restricteur. Et où le restricteur? Attends. Hop là, c'est bon, j'ai trouvé, vamos. J'ai mis des pneus un peu moins bien. Pneus un peu moins bien, ça devrait le faire normalement là. Pam 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 pam. Merci Charlot pour le resub. Merci frérot. Dans les réglages de la voiture, tu peux baisser la puissance. Ouais, normalement les pneus ça devrait suffire. Je pense. Non, pas ça, c'est horrible à jouer. Ah ouais? Ah merde. Ah, j'ai fait une bêtise. Encore une. Ok, on a 5 tours. Normalement, ça devrait le faire, non? Ça va, frérot, je suis à droite, si jamais. Graille là, non? J'ai bien l'impression qu'on va les grailler en vrai là. Easy, hein.
On va drifter à chaque accélération. Bon, en vrai, là, ça va, hein. En vrai... Ok, vamos, vamos. Yo Alex, ça va ou quoi? Barcelone, circuit sous-côté, non. Non, 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 Barcelone, circuit plus la merde, hein. Plus la merde de circuit de Barcelone, en vrai. Qu'on vienne pas me dire, l'inverse, hein. Le circuit est nul à chier, hein. En vrai, c'est un circuit d'essai, hein. Il est bien pour les winter testing, mais alors le reste... Il est bien aussi parce qu'il est pas cher en vrai pour les Français. Il est pas super cher, pas super loin. C'est un vrai plaisir en GT. Ah ouais, mais moi je parlais pas en GT, moi je parlais en F1, moi. Depuis qu'ils ont rajouté la chicane, c'est de la merde. Moi, je sais pas si la chicane, franchement, joue énormément. Oh non, avance, Robilar, avance. Bon, avec la RSR, on va grailler le truc easy, je pense. Vamos. Demain, qui se réveille pour la FP1? En vrai, j'hésite, moi. En vrai, j'hésite, parce que bon, se lever à 5h... Sauf que le matin, j'ai des trucs à faire, flemme. Hein. Les rediffs existent, hein. Ramos. Let's go. Pour les FP2, oui, mais pas pour les FP1. En même temps, les FP1, c'est vraiment à 5h du mat, les gars. Hein. C'est pas genre que tu vas regarder une rediff de FP1. Bah si, vu que j'ai la vidéo à monter demain, en vrai, pendant le montage, sur l'écran à gauche, je mettrai la FP1, tu vois, et la FP2. Genre moi, j'ai le temps de regarder toute la journée, tu vois. Je la mets en fond, j'écoute ce qu'ils disent, je regarde un peu les chronos et basta, tu vois. Pas besoin de se lever pour la voir en direct, surtout que c'était même pas le début de saison. Genre, en vrai, quand en Australie, c'était la première course, il y avait une hype parce que c'était une nouvelle voiture, nouvelle saison, etc. Là, bon bah, là c'est une FP1 comme les autres, tu vois. T'en bats un peu les couilles, en vrai. Bon, le truc des voitures allemandes, on va le one shot, ça va être facile. Vrai homme ne dort pas. Oh, toi t'es solide, toi. Toi, attention, demain matin, par contre. Hein. Je peux enchaîner NBA F1. Ah bah, lui, il y a de l'NBA ou pas cette nuit aussi? Parce que ça aide, hein. Vrai homme ne dort pas, mais si vrai homme a de la NBA plus de la F1, vrai homme a de quoi faire, tu vois. C'est pas en mode, tu vas rien faire cette nuit. Oui, mais je regarde pas. Ok. Ah oui, non, c'est easy win là. Là, les petits trucs comme ça, là, c'est toujours super facile. Je pense qu'il faut que j'arrête de passer à la première en vrai avec la RSR. Je reste en 2. Bon, les souvirs, c'est abusé. Les souvirs de ouf, c'est vraiment n'importe quoi. Wow. Allez, come on! Pas de grips, non. Surtout vu que t'avais vu ton oncle, tu l'as enlevé. Allo! Allo. Non, mais j'ai mis un message dans le général. Lulu, y a des solutions, je pense, t'inquiète. On peut dodge. Putain, mais y a encore 2 tours à faire là! Oh là là, mais c'est long, 2 tours! J'apprécie à moi.
Non, non, j'ai demandé des... j'ai demandé du backup justement dans le général Lulu avant d'enlever les blazes. Pourquoi c'est pas 3 tours ce genre de course, sérieusement là? Tu peux rappeler le lapin bizarre? Alors non, on va éviter de... Ah bon? Tout va bien, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien. La physique vraiment de GT, ça reste quelque chose de bizarre. Hein. La physique de GT7, elle est vraiment... J'étais en train d'écrire 4 tours sans faute. Bah écoute. Voilà, hein. Voilà, hein. Demain, quand une voiture se prendra le mur au virage 5, il y aura une autre voiture qui la percute, faudra pas dire bip. Allô. Allô, allô, allô. Allô, 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 ça va vous? Moi je pense qu'il faut pas courir en Australie les gars, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est trop dangereux. Le circuit il est pas adapté, il y a un risque de suraccident, il y a des longues lignes droites, ça va trop vite. C'est... je pense qu'il faut pas rouler en Australie les gars. J'ai spin 59 fois, c'est beaucoup quand même. Prends l'XT au virage 9. Virage 9, c'est lequel déjà? Adelaide était mieux. Alors, t'as déjà vu les courses à Adelaide? Pas sûr qu'Adelaide c'était mieux, frérot, en vrai. Hein. Vas-y, mais elle est vraiment nulle cette voiture! C'est un enfer cette voiture. Heureusement qu'elle va vite parce qu'elle est pas agréable à conduire. Hein. On parle de Jeddah. Non, là, on parle de Melbourne. On parle de Melbourne. Tu sais, le circuit en ville, là où ça va vite, il y a des longues lignes droites et t'as des risques de suraccident s'il y a un mec qui tape au virage 6. Pourquoi on parlerait de Jeddah, là? Je comprends pas. Les pneus que t'as mis, ça aide pas non plus. Il y a moyen que les pneus, ouais, j'avoue, il y a moyen que les pneus aussi soient de la merde. Bon, c'est pas grave, au moins elle va vite. Au moins, je suis sûr de gagner. Vamos. Parce que Jeddah est plus dangereux. Ah, mais Jeddah, c'est un autre truc. Jeddah, on y allait, c'est bon. Plus besoin de rouvrir la parenthèse. La parenthèse Jeddah, elle est fermée maintenant, là. Ouvrons la parenthèse Australie. J'ai envie de faire un tweet comme ça un petit peu pour foutre le seum aux gens. Allez! Les gens ils sont sensibles maintenant en vrai, sur internet. C'est terrible. Alléluia, 5ème tour, c'est bon, c'est fini. Allez hop, Barcelone c'est fait. Oh la Nordschleife ça va être dur par contre. Prends la GT3, elle fait un meilleur bruit. Bah je vais garder celle-là pour l'instant. Pour l'instant, je vais garder celle-là. Yo Arnaud, ça va ou quoi? Thème enclenché des guerres sur Twitter. J'adore ça, moi. Vraiment, j'aime trop le drama. Hein. J'aime trop le drama, mais les gens aussi sont trop faciles à avoir. C'est ça aussi le truc, tu vois. Genre, si les gens, ils mangeaient pas aussi facilement à l'hameçon, bah... Oh, elle est moche! La couleur! Mon Dieu. Si les gens étaient pas aussi stupides, je ferais pas exprès autant de titiller, tu vois. Mais y en a. C'est quelque chose, hein. Il y en a, c'est... Aïe, aïe, aïe. Bathurst, le seul bon circuit australien. Oh, alors, Bathurst, vraiment. Pff, on souffle, hein. Non, arrête. Quoi? Arrête. Bon, Lulu, y a pas à parler comme ça, Lulu. Voyons. C'est pas cool, Lulu. C'est pas super gentil. Tu as bientôt fini le café, on est au 34. Il m'en reste 5, je crois. Tu le mérites que des barres. Bon, Lulu, mais... On est où là? Que penses-tu de l'arrivée des deux équipes qui appartiennent du groupe Volkswagen, Porsche et Audi? Alors c'est pas des équipes, mais ils viennent en tant que motoristes normalement. Ils viennent en tant que motoristes. Bah en vrai ça va être cool. En vrai ça va être cool. Reste à voir si ça marche ou pas, mais Attendez, j'étais en train de lire un message. Ou une message. Ok, c'est ce circuit là.
vamos. Bon, ça va être short, 30 secondes en cas de tournant. Ça va être galère là, merci Telze pour le resub. C'est moi que je suis ce boss, merci mon ref. Le dernier café, tu vas pleurer. À ce qui paraît, ouais. À ce qui paraît, il est assez long, ouais. T'as fini les cafés, toi, Leclerc, du coup ? Vamos. Ah, j'ai surestimé l'entrée, putain. J'arrive beaucoup, beaucoup trop vite. Pourquoi il y a un rouleau de piquer un carton à côté de la carrière ? Mais putain, mais. Oh là 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 là. Mais réfléchis 2 minutes. Réfléchis 2 minutes, tu vas trouver. Rocco. Tu vas trouver, frérot. Quelle couleur la laisse ? Oula, Choto, tu vas rester dans ta niche par contre. Tu vas parler autrement. Et allez. Come on, come on, come on. Let's go. On va essayer de remonter, let's go. T'as vu les nouvelles images de Motorsport 22? Non, ils ont sorti du gameplay? F1 Manager, tu veux dire, je pense? Ils ont sorti du gameplay, F1 Manager? Faut que je me penche sur le jeu un petit peu, genre. Oui. No way, jure. Tu peux m'envoyer un lien ou pas, Lulu, si t'en as un? Bien, Lulu. Thanks. Des images, des visages. Ok. Ok, 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 ok. J'irai voir après. Oh, bouge avec la Porsche. Allez! Je vais péter mon crâne, sérieux, ce circuit il pue la merde. C'est un enfer. Vite fait les deux circuits. Ok, 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 attends, je regarde juste après. Ah mais les pneus que j'ai mis sur cette voiture aussi. Vous vous rendez compte que là, en l'espace de 2 heures, on a fait qu'un seul café ou pas? Il reste encore 5 à faire ou pas? Catastrophique, hein? Circuit sur GT7. Vraiment, celui-là, je m'en souviens encore. Il y a une mission. J'y avais passé, mais je sais pas combien d'heures. Hein. Je sais plus la voiture que j'avais à l'époque. Il est trop, trop dur. Ok, vraiment, ça c'était bien. Merci Sim, yeah, ça va ou quoi, mec? Merci frérot pour le 7e mois. Ah, j'ai fait un tour de baiser là, par contre. Hein. Là, j'ai fait un tour incroyable. Hein. 39, ok. Ok, 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 ok. Là, mon tour était insane. Hein.
on a eu de la chance, hein. On a eu de la chance, les gars, mon dieu, hein. C'est quel circuit? Je sais plus, il s'appelle comment. C'est l'un des circuits créés dans GT7, je sais plus c'est quoi son blaze. Mais je connais vraiment pas le nom. En vrai, le peu que je joue à Gran Turismo 7, je connais pas le nom des circuits, toi. Vamos, monstre. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est Sainte-Croix, ces arbres-là. Fuck. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par contre, ils mettent pas mal de circuits de merde sur GT7. Ah ouais? Non, en vrai, je trouve ça va. Il y en a, en vrai, ils sont pas dégueux. Hein. En vrai, il y en a, c'est vraiment des bangers. Mais... Le peu qui pue la merde, tu vois, ils sont vraiment nuls, nuls, nuls. Les autres, c'est correct. Moi, j'aime bien, en tout cas. Allez hop, easy, easy. Ouais, j'ai vu les nouvelles missions tout à l'heure, mais c'est des courses d'1 heure, frère. Yo Damien, ça va ou quoi? Ouais, c'est des courses d'1 heure, les nouvelles missions, c'est un enfer, hein. Qui aime bien les endurances ici? Genre les courses de 3 heures et tout, là. Ah, regardez, encore en Winot, mais là, pff, une course de 1 heure avec des vieilles bagnoles et tout sur GT7, il y a des limites, quoi. Déjà que j'ai pas fait toutes les missions de base, j'aurais des missions de drift que j'ai pas encore faites, hein. Imagine faire une mission de 1 heure, une course là. En vrai, moi. En vrai, moi, à part le Mans. Peut-être le Nurb aussi. Non, en vrai, les grosses 24, ça va, tu vois. Mais genre les courses de 12 heures ou quoi, les 6 heures de Bahreïn, des trucs comme ça. Ciao. J'arrête pas, moi. C'est pas assez long en fait. Faut que ça dure plus longtemps pour que ça m'intéresse. Sinon, ça sert à quoi en fait? C'est trop rapide en vrai. T'as rien le temps de mettre en place et tout. Enfin, la course, elle se fait en 6 heures. Si tu te crashes, c'est fini. En 24 heures, t'as tellement de rebondissements, t'as tellement de changements météo, etc. Wow, 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 wow. C'est bien. Ah, c'est encore ça compétitionné, ouais, Racing, ok. Je viens de voir la challenge circuit, c'est une honte. Portimao égale très bien minimum. Non, 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 on a déjà eu le débat. On a déjà eu le débat, les gars. Portimao, vous l'aimez bien. Soit parce que... vous n'avez pas de goût, soit parce que vous êtes portugais, d'accord? Personne n'aime Portimao ici. Personne. Portimao est un parc d'attractions absolument pas adapté pour la Formule 1. Pour les GT, je veux bien. Pour le, ce que tu veux, l'endurance, je veux bien. Pas pour la Formule 1. Ça pue la merde en Formule 1. Oh, je vais sortir. Oh, je vais sortir. C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Alors, j'ai hâte de lire les commentaires, Lucas, sous la vidéo. Hein. Hâte de lire les commentaires, vraiment. Ça va être quelque chose, à mon avis. Hein. Ok, ça passe à fond. Pam pam. Ah ouais, ça fait du bouquin déjà. Les larmes. Attends que je mette ça sur la chaîne principale. Ouh là 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 là, les problèmes. Les problèmes. Des Pielo, il kiffe, mais des Pielo, il est allé en vrai, c'est pour ça qu'il a aimé. Alex, pareil, Alex, il kiffe parce qu'il y est allé en vrai. En contre-la-montre, je trouve que c'est un banger. Ouais, mais est-ce que la Formule 1, c'est du contre-la-montre? Non. Formule 1, c'est de la course. Nous, on veut des dépassements, on veut de la stratégie, des trucs comme ça, tu vois. Parce que sinon, les circuits en contre-la-montre, oui, ok, bah, c'est cool, mais il y en a plein comme ça. Ok. Oh, j'avais pas éteint la manette? C'est pas grave. Non. Tout va bien, 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 tout va bien. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tous ceux qui sont allés à Portimao, ils ont dit que c'était incroyable. Oui, mais encore une fois, genre... est-ce que c'est incroyable parce que c'est le cadre, c'est joli, il fait beau, etc. et que c'est le Portugal? Ou c'est incroyable parce qu'on a une belle course,
que le circuit il est intéressant d'un point de vue course, etc. Alex, on l'appelle là maintenant, on lui demande deux arguments. Pourquoi Portimao c'est incroyable? Il va nous dire beau paysage, il fait beau, c'est au Portugal. Voilà. Après, avec la nouvelle réglementation, il pourrait y avoir plus de spectacles là-bas. C'est vrai, avec la nouvelle réglementation, j'avoue, il pourrait y avoir plus de spectacles, c'est pas faux. Mais bon, dommage, on n'y va plus. On n'y va plus. En Australie, déjà, la week-end, je pense, on peut avoir genre masse de spectacles. Wow, je prenais super tard, non? En Australie, je pense déjà, vu que les voitures vont suivre, on peut vraiment avoir de très très belles batailles. Bah, tu peux l'écrire des deux façons, Wads. Mais d'ici quelques mois, il n'y aura plus qu'une seule façon de l'écrire. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Les gens sont gentils. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est les arguments, genre. Portimao, c'est trop bien, il fait beau. Le décor, il est incroyable. Le circuit, il a été refait. Tim pam pam, c'est quoi les changements de piste en Australie? Tape Melbourne 2022 sur YouTube. F1, tu vas trouver. Il y a plein de virages. Virage 1, virage 3, virage 7, 8, je crois. Tu dis combien de crashs ce week-end? Pourquoi il y aurait des crashs ce week-end, Gatan? Pourquoi il y aurait des crashs? Bon, il y en aura peut-être quelques-uns, genre Latifi et tout, mais je pense pas qu'il y ait tant de crashs que ça. 120 000! What? Let's go, hein. 120 000. Eh ben. Oh la putain de voiture. Je bande encore sur la qualité de la cam. Moi? Ma cam à moi? Attends, tu bandes sur moi? Quoi? Hein? Attends, comment ça je bande sur la qualité de la cam? Quoi? Mon ref. Bizarre. Je bande sur la qualité. Ouais, bah ouais, mais la qualité, c'est ma gueule, du coup, genre. C'est Lulu. Mon ref. Je te regarde pas, toi. Bah, c'est quoi, du coup, la qualité? Tu regardes la qualité des pôles level up à droite? Enfin, oui, pour vous, c'est à gauche, du coup, mais le trophée YouTube derrière, il me fait de l'effet. Ah ouais? Ah, les pôles level up aussi, ils te font de l'effet, non? Point d'exclamation level up, d'ailleurs, les gars. Je sais plus c'est quand la prochaine offre. Je crois c'est à la fin du mois. Pam pam pam. Latifi va se prendre un tour et va mal comprendre et se faire rentrer dedans. Mais arrêtez avec Latifi, arrêtez. Tu penses quoi du circuit de Jeddah? Moi j'aime bien. Oh non, la North Life. No way. No fucking way. Je vais pas faire la North Life avec cette voiture. En soi c'est pas la voiture, le problème c'est les pneus. Oh là 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 là. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'avais oublié qu'il y avait un virage. My bad.
Allez, bouge, bouge. Non, mais... Souvire sa mère, là. Comment elle souvire, c'est un enfer. Non, 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 mais non, mais Georges, mais on met pas dans le bon sens. Péter mon crâne, hein. Péter mon crâne, hein. Merci Titixou pour le 24ème mois. Merci, mon ref. Et oui, et merci Flo, t'es là, je t'ai pas remercié, Flo aussi. Merci Fro pour le resub. Et oui, Lulu, il y en a qui ont 24 mois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai 24 ans, non, j'ai 23 ans moi. J'ai 23 ans! What le bruit que ça a fait? Ah, c'était une McLaren. Attends, comment ça c'était une McLaren? Ah, tu parlais de McLaren avec Audi. Les McLaren ne parviennent pas à s'entendre sur un accord. Bah bien sûr qu'ils n'arrivent pas à trouver un accord, logique. Audi, ils veulent tout, frère. McLaren, ils veulent juste de l'aide financière, ils veulent pas un rachat. Hein. Ils veulent pas disparaître, McLaren. Ok, vamos. Vamos! Vamos, vamos, vamos. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go. Faut que je fasse le tour complet là? Easy.
Easy, tout à l'heure, Napti me disait, ouais, on va recommencer 100 fois et tout. Pas du tout. Nordschleife, pas Nordschleife, je m'en bats les couilles. Wow. Bon, les pneus sont vraiment à chier. Hein. Les pneus sont vraiment à chier. Hein. C'est pas le dernier café. Non, mais je sais. Je sais, mais... En vrai, Nordschleife, easy. Moi j'étais long. Oh merde. À chaque fois j'en fais trop. Dommage que le circuit soit pas utilisé en Formule 1. Mais attends, mais t'imagines vraiment ce circuit en Formule 1? T'imagines vraiment avec les F1 d'aujourd'hui ce circuit là? Faut que je l'apprenne en vrai, parce que au PVC on va l'avoir sur iRacing. Donc faut que je m'en entraîne et que j'apprenne un peu les virages. Sinon je vais être paumé. Là c'est la ligne droite du coup, ok, vamos. Comment t'es rentré dans le carrousel? Ouais, bon, ça va. Il y a une que j'ai, frère, en même temps, c'est un enfer la voiture. Hein. C'est vraiment un enfer. Là, on a le temps, là. Là, on a le temps de discuter. C'est la ligne droite de Las Vegas, là. Au PSC, ce sera juste une promenade. Oh, ouais, au PSC, je vais rouler en 4. Hein. Je vais rouler en 4 et puis je vais attendre. Hein. Vraiment. Hein. Tu penses quoi de l'histoire des piercings en briefing à Melbourne? Je trouve que c'est normal. Je sais pas si vous avez vu cette histoire, mais moi, ça me choque pas en soi. Hein. Je trouve ça totalement normal, parce que ouais, ça commence un peu à abuser en vrai, Charles et tout là. Charles surtout, il commence à en abuser là, bracelet, bague. Eh frérot, c'est bon aussi. Encore un niveau, un piercing, je suis là en mode bon. Genre le piercing d'Hamilton, ça va tu vois. Piercing d'Hamilton, c'est pas le truc le plus dangereux. Mais Charles, il a deux bagues sur la main, il a des bracelets, il a une montre. Eh frère, c'est bon aussi. Hein. Stop! Ça suffit, une concentration, il fait froid dans le dos. Ah frérot, là on était focus. Hein. Ça va ou quoi, Gig? Yoenzo, hello, de ce qui arrive. C'est un gitan en fait, qui ça? Qui ça? J'aime bien la conversation, c'est un gitan. Oui, et toi, BG? Ça va. On essaye de grind un petit peu là. On essaye de grind. Vamos. Ok, c'est fini. Hop, ça dégage. Hop, le truc sur Mercedes, c'est fait. Niveau super, 26. Ok. Les bacs, tout ça. Bah, on a le droit d'avoir des bacs, monsieur, non? Tous les pilotes ont une montre. Pas tous, non? Là, il y en a pas mal quand même, ouais, mais pas tous. Ils les posent pas pour rouler. Non, ils les gardent. Enfin, ça dépend. Ça dépend des pilotes, mais je sais que Charles, par exemple, il garde ses bagues ou ses bracelets, tu vois. Donc c'est un peu limite. C'est un peu limite, en vrai. Retournons au café. Donc là, c'est bon. Donc là, ça va être quoi? Ça va être les 700 maintenant, non, les 800? Bon, il va me raconter sa vie. Mercedes AMG, la section sportive sport de Mercedes, créée en 1920, machin, bidule. Oh. Rompiche, c'est bon. Frère. Hop. Vas-y, à plus, Romain, ciao.
Allez, blablabla, 24 heures du Mans, blablabla, Mercedes-Benz, 99, blablabla. Ok. Nissan GT-R, faut faire quoi? Oh, let's go! Oh, let's go! Ça, c'est loin. 3 GT-R, ok. En vrai, ça va! Je pense que c'est les derniers qui vont être les plus durs, en fait. C'est les derniers livres, ça va être les plus durs. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Non, il y a pas de multi sur GT7, et oui. Enfin, il y a du multi, mais ça pue sa mère sur GT7. Donc, ah, attends, lui, il m'avait envoyé du coup le... F1, Mature Exclusive Games. Fais voir. Attends, je vais rater 2 secondes, là. T'approches de la fin. Ouais, il m'en reste quelques-uns, là. Il m'en reste quelques-uns. Je sais pas si j'ai une voiture. Je crois que j'ai une GT-R, non? Je crois que j'ai une GT-R pour faire les épreuves. C'est qui ce monsieur là qui a joué au jeu là, en exclusivité là? C'est qui ces deux monsieur là de F1 Manager? Ok, donc ça c'est Baku. Ok, ça c'est le mec de la F1. Ah ouais, mais on apprend rien si, y a pas trop d'images en fait. Lulu, je suis en train de regarder la vidéo mais... Ouais, on voit quelques modèles vite fait mais sans plus si. Voilà, voiture, vite fait, en 3D, Baku, Perez. Ah si, on voit... Non, c'est Leclerc. Ah oui, si, on voit, ok, oui. On voit les visages. En vrai, ça va, hein. En vrai, c'est bien fait. En vrai, ça va. Ça va. Alors, j'ai un Dragon... Attends, faut que j'aille où? Deep Forest? Ok. Il me faut une voiture. Oh non, c'est combien? 700 au moins. Fuck. Fuck! Est-ce que j'achète une voiture ou pas, les gars, en vrai? Il me faut une voiture japonaise. Ah non, même pas japonaise. Il me faut une voiture... Mais si, il me faut une Nissan, obligatoirement. Règlement. Il me faut une GT-R, une GT-R, une... GT... Ah, il me faut une GT-R, en fait. En vrai, baisse les... Ouais, je pourrais baisser les points de puissance, mais... Je sais pas. Est-ce que j'en rachète une ou pas? Mets un réducteur de puissance. Je vais aller voir, attends. Bien vu. Garage, changer de voiture. La Nismo. La petite Nismo. Elle est là-bas. 735. Il faut que je lui enlève 36 du coup. Attendez, j'ai des cadeaux. Il faut que je lui enlève 36 points. Je sais pas avec quoi je peux enlever 36 points. Je vais jamais avoir la voiture, hein. C'est mort. Hein. Je vais avoir de l'argent. On est abattu, hein. On est abattu ici, hein. Sérieusement. Il y a 3 voitures, j'en aurais pas une, hein. Il y a 3 voitures, j'en aurais pas une, hein. Gagner 1 million. Oh, on m'a offert 1 million. Oh, on m'a offert le mili. Oh, on m'a offert 1 mili par contre. En vrai, ça va. En vrai, ça va, ça va. Ballast, ça baisse ou pas? Non. C'est où les réducteurs? Vilebrequin, blablabla, turbo, suspension, blablabla. Anti-lag, silencieux, constitution, équilibrage, collecteur, toc toc, différentiel, équilibre, comment, non. C'est dans quoi le truc? Ah là là, j'ai eu le mini chacal. Régulateur, non, je peux pas. Y'a pas un truc qui me fait perdre genre 40 points de... Vraiment les trucs au pif là tout à l'heure. Je crois que j'ai rien, les gars. Non. Ça me fait pas perdre assez. Ça me fait gagner. Prends ECU. Ça baissera tes PP. C'est où? C'est dans quoi, frère? ECU, tu m'as dit? Voilà, c'est un transmission. DGL, ok, silencieux, turbo, DGL, ok, voyage.
anti-lag, tac tac tac, filtre un silencieux collecteur, gel. C'est où tu vois? C'est où frère? Dans club? Ah, restricteur de puissance? Non. C'est quoi ECU? Je suis débile ou Vous mettrez des fleurs en open lobby? Oui, Chacal, si tu meurs, envoie-nous un message si, si tu meurs. Envoie-nous un message et on mettra des fleurs, c'est promis. Non, le silence, ça fait gagner du temps. Dans course, à gauche, t'as un truc contrôle. À gauche. Ça? Non. C'est quoi le truc dans course que tu vas mettre à gauche? Restricteur et ballast, c'est à configurer. Bah ouais, flemme. Flemme, c'est pour ça. En vrai, est-ce que je changerais pas les pneus? Ça le fera, ça le fera, ça le fera, ça le fera. Ça le fera et on va augmenter un peu. Ah non, on va la booster. On va la booster à 190. Allez hop. Voilà, 197. Ok, vamos, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Yonatinho. Pam pam pam. Et après, c'est moi le méchant. Quoi? C'est-à-dire Lulu. Comment ça, c'est toi le méchant, Lulu? Ok, vamos. Europe. Non! Ok. Let's go. Let's go, let's go. Normalement, j'ai une voiture cheatée. J'ai mis 10 secondes, Jordan, il met 600. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison, les gars. T'as vu dans les paramètres réduits. Attends, tu as déjà tout, tu vas dans les paramètres, tu réduis la puissance de ECU. Ah, ok! Je pensais que c'était un truc à acheter, my bad. My bad, my bad. Ok, let's go. Ça va vous? Tranquille? Moi ça va hein. Ça j'irais te freiner peut-être Hydro, hein? En vrai? C'est pas l'Alpine non, c'est pas le même châssis hein.
elle est cheatée ma voiture quand même. Hein. Elle est vachement cheatée, on va pas se mentir. Hein. Elle est archi cheatée ma voiture. Hein. On fait les fringues ici. Hein. Et c'est un monstre et fier. Les phares sur la voiture. Aïe 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 aïe. En vrai la Nismo c'est incroyable hein. La Nismo elle est trop bien. Trop tard, on est trop tard. Mais ils ont mis tous les pilotes. Ok, vamos. On va essayer de faire un gros tour là. Vous pensez que je descends en combien à peu près? Ouah. Bon, attendez, on essaiera au cinquième tour. On essaiera au cinquième tour. Cinquième tour, vous pensez que je descends en combien? Là, j'étais en 1.31 là. Je pense qu'on peut descendre en 1.28. Si je fais vraiment zéro erreur, je pense que je descends en 1.28. Merci Max pour le resub. Bientôt les 1 an. Bientôt, prochain mois. Merci frérot. 28, 30.7. Ok, 29.8. 34, 29, 29.7. Ok, 2 secondes vous pensez. Ok, on va voir. Voilà, je pense qu'on freinait un peu avant le 200. Ok, vous êtes prêts? Pas que je me loupe au virage 1. Merci Toka. Merci Toka pour le cinquième mois. Attendez, je peux toujours faire le chrono en vrai. Je peux toujours faire le chrono. Je pense que si j'avais pas spin, 30.8. Je pense que si j'avais pas spin, j'aurais fait genre 29.8. Si j'avais pas spin. Mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. On a gagné. On a gagné, c'est le plus important. C'est pas en dessous de 29. Mais ouais, mais j'ai spin.
J'espine, c'est pour ça. Oh, mais j'ai bientôt 2 millions, mais je suis riche. Attendez, mais on va s'acheter une bête de voiture. À 2 millions, on peut avoir quoi? On va s'acheter un bête de... Oh, mais attendez. Je pense qu'on va avoir une Ferrari ou un truc comme ça à 2 millions. T'as quoi comme aide? J'ai juste le TC. Le TC niveau 1. Qu'est-ce que je peux m'acheter en vrai? Une petite McLaren? Une Aston? Une Pagani? Je sais pas. Yo Arthos, merci mon ref pour le 7ème mois. Ça va ou quoi? Chez Dodge, t'as la plus rapide du jeu avec 2600 cheveux. Cheveux ou chevaux? Avec 2600 cheveux? C'est beaucoup, c'est 2600 cheveux ou pas? Non, la Bugatti, je crois, elle est genre à 10 millions ou un truc comme ça. La Porsche? Ouais, peut-être. On va aller voir. Vous savez quoi, en vrai, après ce qu'il a fait là, on va voir. On va voir ce qu'on peut s'acheter. Merci du coup pour le... pour ton prime, merci et bienvenue frérot. Allez hop, merci Pierre. Merci frérot. Yo Hicham, ça va et toi? T'as ton permis? Non, toi j'ai pas mon permis moi. Ok, vamos, vamos, j'avais pas besoin de 5 tours. Hein. Merci Gauthier, ça va quoi? Merci frérot pour le 3ème mois. Il est tellement concentré. Ah frère, c'est bon, on a perdu trop de temps au début du stream. Tu vois, regarde, j'ai lu deux messages et j'ai loupé le freinage. Maintenant, je me concentre. Maintenant, pendant les cours, je me concentre. Comme ça, on perd pas de temps. Sinon, c'est trop long, trop long. Bah oui, frérot, écoute, hein. Plus d'heures de conduite sur un jeu que dans la vraie vie, si tu te dises. En vrai, faire du drift avec une GTR, je pense que c'est pas mal aussi. C'est trop simple. Les courses comme ça, c'est trop simple en vrai. Autant les petits championnats et tout, ils sont casse-couilles des fois, mais ça, c'est trop simple. Un prono pour ce soir pour Lyon?
pense que Marseille va gagner déjà. Lyon, je sais pas. Lyon, je pense qu'on va un peu galère en vrai. Parce que je crois que ça se joue en Angleterre. Et je pense qu'on va vraiment galère. Pam pam. Oh! Viens au match retour à Lyon. Alors, je me suis fait une promesse, frérot. Si Lyon passe contre West Ham et qu'on joue donc le Barça, parce que le Barça devrait se qualifier, je pense, de son côté, je viens voir le match Lyon-Barça au Groupama Stadium. Seulement si on passe contre West Ham. Je t'avoue que venir pour voir un Lyon-West Ham, frérot. Ah, j'adore Lyon, mais flemme, tu vois. Après, je viens de YouTube, tes montages sont propres, on va venir en Twitch. Ah, oh, merci, ça fait plaisir de ouf. Bon, bienvenue, frérot. Bienvenue, bienvenue, active les notifs, comme ça tu rattrapes pas les streams. Ça fait plaisir. En vrai, les gens qui viennent de YouTube comme ça, ça veut dire que du coup, ça vous donne envie de venir voir les lives, genre. Soit c'est les best-of, je sais pas si c'est les best-of qui vous donnent envie ou quoi. Mais c'est lourd en vrai, ça veut dire que ça marche en gros, ça veut dire que les best-of sont bien du coup. C'est lourd en vrai Lyon-West Ham, dommage que tu sois occupé ce jour-là. Je sais même pas c'est quel jour Lulu, ça tombe quand. Ah bah ça tombe la semaine pro du coup. Attends, bah si c'est jeudi pro, bah ouais, du coup on est occupé, ouais. C'est dans 7 jours ou dans 14? Ah ouais, jeudi semaine pro, ok. J'ai la ref du coup. On est en date, grrr. Grrr, en date à Paris. Quand d'ailleurs, faut que je m'occupe de faire les résas d'ailleurs. J'aurai tout ce qu'il faut demain, Lulu, normalement. Oui, oui, oui. Moi c'était les best-of. Là normalement il y a un best-of. Mais là c'est un vrai best-of de clip. Il y a un best-of qui sort ce week-end. En fait faudrait que je l'ai pas pris cette année l'habitude. Mais j'aurais dû ressortir un best-of par mois. Genre le best-of du mois sur Twitch. Et j'ai pas pris l'habitude dès le mois de janvier. Et du coup là on a refait un petit best-of de début d'année. Pam 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 pam. En vrai les best-of sont drôles. Les best-of sont très très drôles. Le monteur Alexandre est très 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 fort. Pas à drift. J'arrive pas à drift. Pam param param. J'avoue, normal, moi j'y vais parce qu'on y est en Europa et qu'il y a qu'en Europa qu'on gagne. C'est pas faux, c'est pas faux. En vrai, si j'étais à Lyon, j'y serais allé. Hein. Enfin, si j'habitais encore à Lyon, j'irais voir les matchs de Lyon, mais un peu loin quoi. Oui, 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 oui. J'arrive même pas à drift, c'est un enfer. Baisse le TC. Ah oui, je suis un connard, putain, j'ai laissé le TC. Ah oui, bah oui. Je suis un connard. Bien vu, bien vu, bien vu. Mais là, je vais spin, hein. Là, je vais vouloir en faire trop directement. Plus la merde, mon drift. Plus la merde. Pourquoi t'as quitté Lyon? Je suis venu habiter à Limoges. En coloc avec RC Rob. Attends. J'ai 22 secondes d'avance, je peux faire joujou. Hein. En vrai, ça va. Petit drift. Drift timide, mais. Petit drift. Oh, ils sont timides, mes drifts en vrai. Ils sont très très timides en vrai. Ah, Napti c'est devenu un coach, ça y est là, maintenant sur GT c'est devenu El Padre là, maintenant il donne des conseils et tout. Oh lui il était pas mal, lui il était pas mal en vrai. Lui il était pas mal en vrai, il était clean lui. Il était clean, j'étais à tah les fous, ça va quoi Max. Merci frérot pour le 14ème round. Tah les fous, bon, on en manque plus qu'une et on les a toutes, allez quand même. Pam 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 pam. Demande à Bouzy Bouzy, j'ai vu, ouais, il avait un truc, j'ai vu une vidéo passer, faut que je la regarde. Il a dit, ouais, il y a un problème avec la voiture de drift, je sais pas quoi là. Faut pas regarder. Bouzy maintenant, c'est devenu un drifter. Drifter fou maintenant. Oh putain, c'est vrai. J'ai déménagé. Attends, j'ai déménagé. C'est quoi le lien du tweet, Lulu?
C'est le tweet de l'époque ou c'est le tweet de maintenant là? Ah ouais, c'est le tweet de l'époque. Mamma mia. Mamma mia. 2020. 16 septembre 2020. Putain, ça date. 15 septembre, pardon. Ah ouais. Ah ouais. Oh, la vidéo, on l'avait tournée en deux pistes. Très très drôle. Hein. Très drôle. Hein. Aïe. Faut que tu mettes du freinage à l'avant, je sais pas si tu peux sur le jeu. Oui, on peut. On peut. Voilà, ça restait pour drifter pour le fun. Skyline. Ouh. Petit flow là, Skyline en vrai. Petit flow. En général, la petite, tu peux mettre du frein à l'avant. Hein. Achète une Aston Martin Valkyrie. En vrai, vous savez quoi? Attendez. Je chope la dernière GTR et on achète une voiture. Je chope la dernière GTR qu'il me faut là. Je crois qu'il faut aller au Japon. Je crois qu'il faut aller en Asie. Ouais, Asie, Océanie, il faut aller au Japon, Tokyo Express. Ok, vamos. Et après, on va voir ce qu'on peut acheter à 2 millions. Je sais pas ce qu'on peut acheter. Mais tu sais ce qu'on peut acheter à 2 millions ou pas, en vrai? J'espère que la R34 sera bleue. Normalement, si, oui, je pense. En vrai, oui. Bah oui, voilà, elle est bleue, tu vois. C'était sûr qu'elle serait bleue. La Dodge, elle est à 1 million. Ok, j'irai voir après. Mon cœur à 2 millions. Mon cœur, il a pas de prix, Jordan. Aucun billet ne pourra acheter ton amour. Wow. Oh, la vitesse de pointe. Wow. Au POV Ferrari 2019. Enlever le TC, vous savez quoi, on va drifter un peu là, let's go. Bravo! J'avais totalement oublié. Hein. J'avais oublié que j'avais désactivé le traction control. Hein. Putain, je suis vraiment un débile. Mais là, on va les grailler. Mais là, on va les grailler sur la ligne droite. J'étais à 9 secondes 1. Hein. J'étais à 9 secondes 1 avant le... au départ de la ligne droite. Hein. Oh bordel! Oh, ça a fait trembler tout le bureau! Ok, on se concentre, vamos. La vitesse est abusée, hein. La vitesse de cette voiture, c'est n'importe. Oh, genre. Yeah.
Allez hop, coucou panier. Coucou panier l'espagnol, c'est comme sur la Pixel War. Au goulag. Alors attention. Voilà. C'est bon. Merde. Non, 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 non. Vamos. Bark bark quoi? Marrant la question. Quoi la question? Ici, Lulu? C'est quelle voiture? C'est la Nismo, la GTR. Oh, c'est Max, il la boit. On est où là? Préfère ce volant ou le G27? Écoute, chaque question mérite d'avoir une réponse. La réponse est ce volant, voilà. Le G27 étant l'un des pires volants probablement sur le marché. Les Espagnols sur la Pixel. Ah oui, ok. Je faisais e-bail. Wow! Bon, alors le volant il est très bien, mais par contre, qu'est-ce qui bouge sur le bureau aussi? Mon bureau il pue la merde aussi. E-bail, ah là là là, cette Pixel War. En vrai, quand tu désactives le TC, qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est bien? Ok, let's go. J'ai eu peur que la voiture elle parte. Hein. Non! Éteins ton clignotant par contre. Ah oui merde, j'ai un clignotant. Comment on l'éteint? Comme ça, c'est bon. Oh attendez, je vais essayer de drift. Ça va vous? C'était le pire drift de France. Pire drift de France. Là. Attends, mais je vais mettre les deux clignotants. Y'a pas les warnings? C'est quoi ça? Oh! Ok. C'est quoi ça? Oh! Je découvre, hein. Vamos. La manette c'est pavé tactile. Ok. Ah, oh, wall ride, j'avais pas vu ton message de lui, my bad. Wow! Alors attendez, 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 attendez. Je veux bien qu'on fasse du drift, mais le volant il va rester sur le bureau. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On a 19 secondes d'avance, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Yo et l'autre, ceux qui arrivent. Je vais faire mon drift là. En vrai, ça va. En vrai. Un petit 6 sur 10, je pense. En vrai, ça va. C'était correct. C'était pas ouf, mais. Il y avait de l'idée, tu vois. Petit. Ouais, 5. Allez, 6. S'il te plaît. Au-dessus de la moyenne. 5 sur 10.
On peut aller là-bas? Ça fait quoi? Non, c'est les stands. Oh, 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 oh. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 5,25. Ouais, 2 sur 10. Ah non, gardien Gusto Boateng. Ah non, gardien quoi? Ah oui, putain. Bordel. Gusto Boateng, Lukeba, Emerson, Mendes. Oh, Mendes. Ndombele, Fèvre, Paqueta, Ward, Mbele. Bon, en vrai, ouais, logique, tiens. Je crois que Toko il a le Covid, j'ai vu, mais ouais, je suis pas étonné. Ah non, regarde, j'étais en mode quoi? Je crois que tu me parlais d'un club pro ou quoi? J'étais en mode qu'est-ce que tu me racontes? Toc, ça je rendrai après. Hop. La Dodge de 2600 chevaux, tu fais le circuit en Autriche en 55 secondes. Ah ouais? Non, il y a des vieilles F1, il n'y a pas les nouvelles. Il n'y a pas les nouvelles Formule 1 sur ce jeu, non. Pam pam pam, ok, on a toutes les Skyline. Est-ce qu'on va acheter une voiture, les gars? Est-ce qu'on va vider nos 200, nos 2 millions ou pas, là? J'ai bien envie d'acheter une voiture, là. Hein. T'es pas prêt pour ce qui arrive dans le café? Quoi? Oula, j'ai très peur. Oula, j'ai très peur. Il va falloir personnaliser la tenue de ton pilote. Ouais, mais je sais pas faire tout ça, moi. Je suis pas un mec l'esthétique, ça, mais je m'en bats les couilles. Alors... Attendez, on retourne au café. On va voir c'est quoi le nouveau café parce que apparemment on n'est pas prêt. Apparemment on n'est pas prêt. Tac 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 tac. Ok, roulette 4 étoiles. Blablabla. Garde et finis le café pour pas acheter une voiture que tu peux gagner. C'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. C'est pas bête. Après en vrai, qu'est-ce qu'on gagne comme voiture après là? Il y en a pas qui peuvent me dire. Oui, blablabla, bla bla, les GTR. En vrai, les GTR, c'est lourd. En vrai, les GTR, c'est incroyable. Vraiment des caisses trop, trop stylées. Pam, pam. Il y a des gens qui font des tenues, des skins, et toi, t'as juste à prendre le skin et hop. Ouais, mais moi, je veux un skin stylé, je veux pas un truc de la commu de base. Oh non, des touring cars encore. 700 cette fois. Eh bah, on va aller faire les 700, let's go. Allez, vamos. On va aller faire les 700. Attends, c'est pas le dernier. Bah, je sais que c'est pas le dernier. Ah, il y a 700, 800, 900 et les 1000 encore. T'as les 700, c'est PP, puis les 1000. Y'a pas les 800? Y'a pas 800 et 900? Oh la petite. Oh là là, c'est du GT du coup là. Quelle voiture on va prendre? Quelle voiture on va bien pouvoir prendre en 700? Je peux prendre l'AMG GT Black Edition. Elle est à 720, je crois, 730. Corvette. Ah ouais, la Corvette. Ah, pas bête la Corvette, oui, j'avoue. Oh, la Porsche groupe 4. Je sais pas. On va voir. On va voir, on va voir. Mais ça, que la Black Series, de mémoire, elle était cheatée. Hein. De mémoire, on l'avait bien cheatée cette voiture. Hein. Soit elle, soit la Corvette. Alors, 700 au moins, permis national A, ok. Oh non, elle est à 788, je vais péter mon crâne. Bah du coup, la Corvette, ça doit être pareil, non? Je pense que la Corvette, c'est pareil. Performance. 703, je vais péter mon crâne. Bah... je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je peux prendre en vrai. Réduire leur PP. Ouais, mais laquelle? La GR3? Je peux pas réduire de 88 la Black AMG. Hein. Je peux réduire soit la Camaro. La Camaro en vrai. Hein. Non? À la RSR, faut que je lui remette des bons pneus. Et si je lui mets les bons pneus, elle va repasser au-dessus. La R8. La R8, faut lui enlever 50. Hein. Faut lui enlever 50 points quand même, c'est beaucoup. Hein. Sinon, je peux up genre une voiture, tu vois. Une Porsche, par exemple. Sinon, je peux up la Porsche, en vrai, non? Je sais pas quoi faire. Hein. La Nismo. J'essaie avec la Nismo. GT3 RS. Ouais. Je vais up la GT... Fais voir, ils ont quoi comme voiture, eux? NSX, 4. Mais je les fume. Oh non, 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 la Nordschleife avec la Nismo. En vrai, quoique. En vrai. Oh, vas-y, je tente.
Je tente. La Nismo, j'y crois. J'y crois. Merci Max. Ça va quoi, mon ref? T'as vu? J'ai pas envie de te répondre, Lucas. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. On va voir. On va voir. Ah, attends. Pour régler le problème de loin qui glisse sur le bureau, moi j'avais un morceau de joint pour faire des conserves. Je vais glisser entre les pinces et le bureau. Comme ça, ça remonte mes grippes. Ok. Ok. Mais ouais, c'est juste que mon bureau il pue la merde en fait. Il est vraiment très très mal fait. Donc, merci. Ouais, je sais, Lucas, c'est pour ça que je me suis retenu. Alors, on est 20ème. On a 5 tours. Baiser les premiers. Ça va être horrible. Ok, vamos. Vamos. Bon, en fait, c'est sur les lignes droites qu'on va gagner, quoi. Sur les lignes droites qu'on va gagner, mais faut voir si je vais gagner assez ou pas, quoi. Bien que je prenne assez tôt. Faut pas me faire baiser en sortie. T'es sur net, hein. Pardon. J'attendais de voir le premier calendrier corsin. Hein. Je gagne pas tant le temps que ça, en vrai, j'ai l'impression. Yo Jumbo, ça va quoi? J'ai pas l'impression d'aller si vite, hein. Il y a le salon d'auto à Lyon, ouais, je sais, je suis au courant. J'y serais pas, malheureusement, mais j'aurais bien aimé y être, en vrai. À Lyon. Il y a des départs ratés sur ce jeu, c'est rare, en vrai. En solo, c'est très très rare. Je prenais tellement tard. En vrai, ça se passe, Jumbo, on avance. On a perdu un peu de temps au début, mais là, ça revient un peu. Tu bloques les roues vraiment. Normalement, je les double tous là. Là, normalement, je les double tous. Hein. 1, 2, doublement 3, 4. 3, 4.
En vrai, pour le NURB, il y a des lignes droites. En vrai, ça peut le faire en NURB. Hein. Juste pas que j'ai d'accident, je pense. Si j'ai pas d'accident, ça devrait bien se passer. Allez, come on. Go les grailles. Est-ce que comme on démarrait de savoir tout dehors, c'est la tempête, c'est bâtard? Pas du tout, hein, c'est leur travail malheureusement. On appelle ça l'offre et la demande. Hein. Donc, en vrai, la plupart utilisent des voitures, donc t'es tranquille. Ça va mon... Mais baisse ta mère, sale fils de pute! Va te faire enculer! Voilà, c'est dit. Hop, c'est un IA, rien à foutre. Oh frère, c'est bon, les IA qui tombent dessus sur GT7, on a marre aussi. On va le grailler, on va le réussir. Easy, c'est le GP. Ça dépend ce que tu commandes après, Napti. Si tu commandes genre un truc que tu pourrais te faire toi, ça vaut pas le coup. Il y avait un tsunami et Drew commanderait quand même ce clébard. Ouais, bah. Attendez, mais il pleut beaucoup chez vous là? En vrai, ça se trouve, il pleut encore. Tout à l'heure, il pleuvait un petit peu, ouais. Vamos. Petit, tu veux commander quoi? Ça dépend, ouais. Moi, il pleut fort. Ouais, mais t'habites à Nevers, moi, ça c'est normal. Tu veux commander quoi, frérot? Là, c'est la GTR, ouais, c'est la Nismo. Nismo GTR. La GTR, Nismo plutôt, pardon. Yo, est-ce que ça va quoi? Merde. On est dans l'arbre. Merde, ma blague est nulle. Tu voulais faire quoi comme blague, lui? Allez, ciao les ploucs. En vrai, elle est vraiment cheatée, ma voiture. Vous savez quoi, on va voir en combien je tourne. Là donc j'ai fait 59.0. On va voir, non j'ai fait 59.7 pardon. 59.7, on va voir, je peux aller jusqu'en combien. Non c'est vrai que je l'ai pas encore reproc, j'ai juste mis les upgrades. 59.4. Je pense que je peux aller en 58 et quelques. Facile. Ça souvient, bâtard, ça souvient. Je me suis loupé, mais ça va me donner de la même axe, ça va aller encore.
pense qu'on va être en 58. Parce que j'avais que 3 dixièmes. Putain, 58-2, fuck, ça pue la merde. C'est nul à chier, 58-2. Tu stream les EL1 et 2, non. Non, 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 on stream que la qualif et la course ce week-end. Il est fou, lui. Il est fou, lui. En vrai, il y aurait, de toute façon, je pense qu'il y aurait pas grand monde pour les EL1 et les EL2. Ça aurait pu être fun, en vrai. Ça aurait pu être fun. Mais non. Non, 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 non. Ok, 120 000, vamos. Ok, 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 ok. Alors. Là, on fait quoi, du coup? Avant, c'est l'Espagne. Ouais, Espagne. Oh, la Norse Life. Oh, la Norse Life. Oh là là là. Oh là 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 là. Norse Life, ça va être trop dur. Ça va être trop, trop dur. Demain, je me réveille à 5h pour regarder avant d'aller en cours. Ah ouais, DT1. DT1. Moi, je verrai, j'aurais rompiche. Rompiche sévère. Mais même là, je vais galère en fait. Là, je vais galère parce que certes, il y a des lignes droites, mais pas assez. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais je suis pas là, Lucas. Je t'enverrai le message après. Je t'expliquerai. Yo, Skyzy, ça va ou quoi? Ça va, les ELA, c'est à 5h du mat à laquelle. C'est à laquelle je me réveille le week-end. Oh ouais, le week-end. Oh ouais, non, mais le week-end, encore pire. Encore le week-end. En vrai, le week-end se lever, ça me gêne moins, tu vois, parce que tu peux te reposer après. Oh, je vais trop galère. Oh, je vais trop galère en Espagne. Trop de virages. On est où là? On est où là? Oh aïe aïe, demain bac blanc de français. Non mais je vais trop galère avec je vais trop galère avec la GTR là, ça va être trop dur. Ça va être trop dur, il y a trop de virages, j'ai pas assez de ligne droite en fait là. Attendez. On va reprendre. On va reprendre 30 secondes. Merci Zulu pour le resub. Merci mon ref. C'est bien BG pour 5e mois. C'est calme aujourd'hui. Quand en fait du GT c'est toujours calme en vrai. Maintenant je me concentre.
quel enfer. Quel enfer. Elle est trop lourde, la voiture. C'est une GTR Nismo. T'as repris 15 secondes sur un tour. Ah ouais? Je refais exactement la même. Je freinais au 200 maintenant. Kylian, hello, hello, c'est quand même. Non, bouge! Mon drift, il était incroyable! 8 secondes de tour, come on! Non, pourquoi elle s'est pas remis dans l'autre sens? Mourir, hein. Mourir, hein. Mourir. Envie de mourir. En même temps, ça va prendre un. Ah, je gagnerai pas 11 secondes, c'est mort. C'est trop dur, je gagnerai pas 11 secondes. Oh, le nerf, oh, le nerf, ça va être une galère. Ça va être trop dur, le... Le nerf, en vrai. Régler le diff, on peut régler le diff je pense dans les paramètres mais pas dans la voiture, pas quand t'es dans la voiture. Wow, wow, wow.
crois que j'ai pas le diff. Non, ouais, j'ai que le traction control. Monte un pipé 3 en vrai, faut juste assurer au Nerb. Faut juste assurer au Nerb. Nerb faudra faire leur top 2 ou top 3. J'ai envie de faire du drift là. Bon là faut pas drift avec le TC mais vraiment un débile. Hein. Je suis un putain de débile. Mais c'est une vanne, mais... Oh le nerb, oh le nerb, oh le nerb. Oh le nerb. Oh le nerb. Oh le nerb. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est la boucle complète en plus. Oh. Bon bah les gars, on se revoit dans 10 minutes. On se revoit dans 10 minutes. Tant que je me concentre un peu. Allez, bouge avec ton Aston. En fait, faut juste pas que je surconduise dans les virages. Parce que je gagne tout dans la ligne droite. Dans la ligne droite, je suis 100 fois plus rapide. On va mettre la carte du tracé comme ça.
Merci Damien pour les sub, yo. Ça va quoi, mec? Merci, je crois. Wesh. Wesh. Jamais été aussi concentré. Ah ouais, l'événement de Squeezie, c'est quoi du coup? C'est le truc en Formule Renault ou pas? Aïe. Oh putain, du coup je me suis déconcentré. Il devait l'annoncer à 20h. Est-ce que c'est enfin le championnat de Formule Renault? Formule 4, ouais c'est ça, j'ai pas de 4. Ouais. Yep, yep, yep. Je sais pas si la... Ouais. C'est le sub goal du event. Il a donné la liste des participants ou pas? No puedo parle, no puedo hablar. Moi j'ai participé, non moi j'ai participé pas par moi. Non moi je suis pas invité, c'est des youtubeurs. Non il a pas donné la liste, ok. Des mecs qui s'en connaissent en formule. C'est un tournoi d'influenceurs donc je te dis pas qu'il y a, mais il n'y a pas que des gars sport auto. Ouais, en vrai ça a pas changé normalement, la liste est lourde. Parce que ça, c'est un truc qui date en vrai. Je pense que c'était le event 2020, non? Mais c'était prévu depuis longtemps, ça. Et je disais le chat. Fuck. Décroche, 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 décroche. Péter mon crâne. Allez, recule. Oh, j'ai défoncé quelqu'un. Oh, oh, juste avant la longue ligne droite, sérieux. No way, no fucking way, no fucking way. Ah, j'avais fait aucune erreur. Thank you.
là, bon, tant pis. Hein. Tant pis. Je sais pas si on va être dans le top 3 quand même. Faudrait que je remonte genre 4ème, je pense. Tu regardes Lyon ce soir, ouais. Ouais. Je suis monté dedans la dernière fois, je suis allé chez Mingal. Quand t'es allé chez Mingal, toi? Ah, mais ok, d'accord. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, à ce point-là, elle va vite la voiture. Bon, bah finalement, P3, hein. Avec ton projet fournisseur. Ok. Finalement, P3. Normalement, ça devrait suffire, je pense. Normalement, j'étais deuxième à 4 points, je crois. Ça devrait le faire. Pam, 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 param. Ok, ouais, je viens de voir Lulu, TDM. Je viens de voir. Alors, la réponse. Oh, s'il te plaît, j'ai pas envie de le refaire. P2, let's go. Ok, vamos. Vamos! Deuxième au général. Oh les gars, qu'on se quitte sur une bonne note, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça peut être? Napti, il a dit milieu. Napti, est-ce que je te fais confiance ou pas? Fred, il a dit milieu. Manu, il a dit droite. J'ai envie de te faire confiance. Natinu, il a dit droite. Ah, gauche. Il y a beaucoup de gauche, hein. Il y a énormément de gauche. Napti, il avait dit milieu. Pas mal. C'est bien. La deuxième meilleure, c'est bien. Bien vu, Napti. Gauche, c'était la meilleure, du coup. Dommage. On aurait dû écouter le chat. C'était gauche. Mais c'est pas grave. Bon, du coup, il m'en reste combien, là? Parce que là, c'est 20h50. On n'aura pas le temps de tout finir ce soir, ça veut dire. On n'aura pas le temps de tout faire ce soir. Café. Alors. Félicitations, blablabla. Ok, on a gagné un circuit, deux circuits. Oh non, rallye groupe B. Oh, let's go. En vrai, ça va être lourd. Il va falloir que je fasse du rallye, du coup. C'est le numéro combien, là? C'est le café combien que je fais, là? 37, donc il me reste 37, 38, 39, c'est ça? Il m'en restera 3. Ok. En vrai, les crédits, on va les garder. Et je vais attendre, comme vous disiez tout à l'heure, à la fin du café pour acheter une voiture, je pense. À la fin du café, j'achèterai une voiture. Allez, s'il te plaît. Alléluia! Pour une fois, on a une voiture, vamos! Pour une fois, on a une voiture. Le café où je t'avais dit de pas avoir une voiture normale préparée, je me suis fait exploser. Ok, bah vas-y, on fera ça une autre fois, ouais. On fera ça une autre fois, vu que c'est déjà quasiment 21h, les potes. Moi, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. Ouais, on reviendra sur GT7 une nouvelle fois. J'ai l'impression que GT7, on va jamais le finir. Vraiment. GT7, c'est... J'ai l'impression que c'est un jeu, jamais tu peux le terminer. C'est abusé. Donc, on finira le café la prochaine fois. Et on achètera une nouvelle voiture. Ah ouais, mais frère, Natinho, toujours les cafés, ça prend un temps fou en vrai. Hein. T'as combien de voitures? Je dois en avoir, je sais pas, 60. Attends, je vais aller voir ça tout de suite. Je dois avoir genre 60 voitures, je pense, un truc comme ça. Voiture, c'est où? Collection. Déjà, j'en ai 16. J'ai une 82. Ah ouais, non, j'en ai plus que prévu. J'en ai 82. Z8, j'ai la 911, la deuxième 911, j'ai la MG GTS, ouais j'en ai masse en fait, j'en ai masse, après il y en a 400 en tout, donc bon on a le temps en vrai, on a le temps, on a le temps.